Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et accessoirement messieurs. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Ça se discute. Le 19 mars 97, ça fait un petit peu plus de 2 ans, nous avions présenté une émission qui s'appelait Paysans. Le bonheur est-il dans le pré? Donc 2 ans plus tard, un peu plus de 2 ans, gagné par le paritarisme dominant que nous approuvons, nous nous sommes dit qu'on pouvait poser la même question au féminin. Quelques chiffres, d'abord pour vous dire que je ne vous surprendrai pas beaucoup si je vous dis que globalement la France compte de moins en moins d'agriculteurs, 7 millions à la Libération, 612 000 aujourd'hui, donc 10 fois moins à peu près 50 ans, mais en revanche, à l'intérieur même de cette population, le pourcentage de femmes patronnes d'exploitations agricoles ne cesse d'augmenter. Elles sont aujourd'hui 150 000 dans le pays sur 600 000 chefs d'exploitation agricole, c'est-à-dire 20% de cette population. 150 000 femmes donc, qui ont souvent l'impression de s'adonner à une vocation plutôt qu'à un simple métier. Marie-Paul Méchineau, bonsoir madame, nous expliquera que l'appel de la terre a été le plus fort. Madame, vous avez quitté, alors tout est relatif, hein, je précise, le confort douillet de l'éducation nationale, oui, j'allais dire. Oui, c'est très relatif. C'est relatif, effectivement, mais je parle en termes d'emploi du temps, en termes de retraite, évidemment. Vous avez donc quitté l'éducation nationale et son statut pour une carrière incertaine d'agricultrice. On ne sait jamais ce qu'on va gagner au bout de l'année. Vous avez même connu la faillite une fois, et pourtant vous avez continué, et vous continuez encore aujourd'hui. Un métier d'abnégation, donc, mais où l'abnégation ne suffit pas toujours. Bonjour Sylvie. Bonjour, Sylvie Lebert, qui élève des chèvres pour leur laine. Et oui, il y a de la laine de chèvre, ça existe. Elle nous expliquera que son statut de femme seule ne plaît pas beaucoup à tous ceux qui habitent autour de chez elle. Une année, ils ont même transformé vos chèvres en schtroumpfs. Voilà, tout à fait, oui. Vous nous direz comment... J'en ai un échantillon, là. Ah bah oui, tout bleu, là, oui. Alors, vous nous direz comment c'est passé, madame, parce que ça nous fait rigoler aujourd'hui, mais ça n'a pas dû vous faire rigoler le matin, vous en êtes aperçu. Voilà. Comment vous met la pression? Est-ce que vous résistez? Est-ce que vous arrivez à vous épanouir? Je résiste, oui, oui, oui. Ou est-ce que vous allez finir par abdiquer, changer de métier, vous savez encore? Vous savez déjà? Non, absolument pas. On en parlera ce soir. J'espère pas changer de métier, parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Et je me battrai jusqu'au bout, de toute façon. Je vous présente maintenant Muriel Olivier. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Vous nous ferez part de vos difficultés à trouver un mari. Mmh. Espérons que cette émission, enfin c'est pas le but, vous aide à mieux vous y retrouver en tout cas, et peut-être à mieux vous situer par rapport à une vie de famille, en échangeant donc vos impressions, vos expériences avec celles qui sont vos collègues et qui sont assises autour de vous aujourd'hui. Mmh. Il y a quelques hommes sur ce plateau, assez peu. Il y en a un, c'est joli ça. Il y en a un par exemple qui conclura tout à l'heure. Je vais vous présenter maintenant donc le chroniqueur de cette émission, un homme qui a éveillé à la télé toute une génération grâce à ses truculentes chroniques dans des émissions cultes comme Le Petit Rapporteur ou Par le Petit Bout de la Lorgnette. Son dernier ouvrage s'appelle Bonjour la France, il est sorti le mois dernier aux éditions CPE. C'est un tour de France des communes les plus étonnantes. Je vous demande d'accueillir Pierre Bonte, qui est donc notre chroniqueur ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Là Pierre, est-ce qu'on peut encore vous apprendre des choses sur la terre de France et sur par exemple les femmes qui aujourd'hui l'habitent et la font vivre? Oui, je crois. C'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'agricultrices ou d'épouses agriculteurs au cours de mes 40 ans de reportage à travers la France rurale. Je veux dire que j'ai beaucoup d'admiration pour elles. Parce que c'est vrai que leur vie n'est... La condition de la femme dans le milieu rural n'est pas facile du tout. Alors aujourd'hui, je suis content d'être là parce que justement, ben, je voudrais... D'abord, je suis content d'être avec les agricultrices à nouveau. Et puis, j'aimerais... Derrière elles, ouais. Derrière elles, du moins. Ouais. Et puis, je suis content d'essayer de savoir ce qu'il en est aujourd'hui et si cette condition a évolué quand même au cours des 30 dernières années. Vous prenez la parole quand vous voulez et vous conclurez tout à l'heure, Pierre. Je vous présente maintenant donc nos invités à qui nous avons consacré des reportages. On va commencer avec Jocelyne Majorel. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Vous êtes une toute nouvelle agricultrice, oui. Justement. Vous êtes installée depuis 3 mois sur une terre dans le Gers. J'ai fait un stage de 3 mois sur l'exploitation et depuis le 1er avril, on était installée sur l'exploitation. Vous êtes chez vous maintenant? Pas dans notre maison définitive. D'accord, enfin on verra qu'il y a un système de parrainage, voilà. Qui existe pendant 6 mois, quelqu'un qui va vous confier sa terre pendant un laps de temps ou qui va vous vendre ses terres, même regarde si vous vous débrouillez, donc 6 mois pendant lesquels il faut prouver des choses. On va regarder un extrait du reportage qui vous est consacré qu'on verra tout à l'heure en intégralité. Allons-y. Maintenant ça y est, on est bien agriculteur. Et vous? Moi je suis plus agriculteur. Après une formation de 3 mois, Jocelyne a maintenant le statut de chef d'exploitation. Elle peut enfin réaliser son rêve et gérer les 60 hectares de la propriété qu'elle vient de louer pour une durée de 25 ans et dans l'immédiat passer de la théorie à la pratique. Un peu plus loin, un peu plus loin. Là. Vas-y. C'est bon ? Oui. J'ai choisi de faire des ovins parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins impressionnant que les vaches. Les vaches vous font peur encore ? Vous avez peur des vaches ?
Vous êtes pas rassurée. J'ai pas peur, mais je suis pas rassurée. Ouais. C'est quoi la différence? Bon, c'est vrai que c'est un peu ambigu, mais bon, c'est plus impressionnant. Je suis très petite, donc une vache est à peu près de ma taille. Ouais. Donc, préférez des petites bêtes. Ouais. Ça vous fait sourire, Ginette? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Ça me fait sourire parce que c'est vrai que le fait qu'on soit petite et qu'on nous voit à côté de ces bêtes, on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fous là? Vous mesurez combien, vous? 1m60. Et vous? Moi aussi. Ah bah d'accord. Allez, j'aurais donc des conseils peut-être à entendre de la part de Ginette, qui est venue avec Marie-Thérèse, sa belle-maman. Bonsoir Marie-Thérèse, bienvenue parmi nous. Vous êtes donc belle-fille et belle-mère, et pourtant ça se passe bien entre vous, comme quoi c'est possible. C'est vous donc, madame, qui avez choisi, d'une certaine manière, après la mort de votre mari, de confier la gestion de vos terres à votre belle-fille. Votre fils travaille par ailleurs, comme maraîcher sur d'autres terres. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre que de confier ça à une femme, Marie-Thérèse? Moi, personnellement, pas du tout, parce que je suis tombée veuve à 57 ans. J'étais chef d'exploitation, j'avais décidé de continuer jusqu'à 65 ans. Mais vu ma situation et la belle-fille qui avait laissé son boulot pour élever les enfants, je lui ai proposé si elle voulait être chef d'exploitation. Vous avez hésité? Vous en avez non, envie? Non, j'ai pas hésité. La seule chose qui me faisait un peu peur, c'est de repartir à l'école. Il a fallu que je reparte à l'école. Pour passer un BEPA, le BEP alors, spécialisé. Voilà, et ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, mais tu te mets dans une drôle de galère. Et, bon, et puis tout quand tu fais, c'est très, très enrichissant. Mmh. J'ai rencontré beaucoup de personnes super. Et vous bossez beaucoup, énormément. Il y a du boulot quand même, même si vous êtes là pour donner un coup de main à Marie-Thérèse, et si votre mari aussi met la main à la pâte le soir en rentrant du boulot et le week-end, évidemment. Regarde un extrait de ce reportage. C'est quelle heure il y a? Ah, l'avantage de la campagne, on n'a pas d'heure. Hein. Oui. Je ne sais pas quelle heure il est. Bon, du allez, tout. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Ouais. Tracteur, ça paraît oui, très, très facile de monter dans un tracteur. Au fond, il faut quand même. Il y a le moment de tous. C'est pas une voiture. Hein. C'est très dur. Ce métier, c'est justement très physique. Alors, bon, c'est vrai que. Vu ma corpulence, il y a des fois, c'est pas évident. Mais je pense que là. La rage d'avoir envie de le faire, elle nous fait plus force, j'ai l'impression. Moi, je dis souvent, le soir, on n'a pas besoin de les pour dormir. Hein. Après une bonne journée, on dort. Hein. Ça, je vous assure, un bon bain, c'est un meilleur somnifère que ça. Je ne sais pas si on puisse, qu'on puisse le trouver. À la suite du reportage tout à l'heure, vous travaillez combien d'heures par jour, à peu près? Oh, c'est très difficile à calculer. Vous avez une montre? Aujourd'hui, vous avez une montre? Je l'ai mise ouais, pour ne pas rater l'avion. Ouais. Sans ça, je n'ai pas de montre. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça démarre 6h30, 7h, et puis on termine vraiment quand on peut. Souvent, on fait même une coupure, on fait le repas avec les enfants pour pouvoir quand même vivre notre vie. Le dîner avec les enfants. Le dîner, oui, avec les enfants. Et puis après, quoi, bon, souvent, elles s'en vont au lit et nous, on repart dehors quoi, pour aller finir. Même quand il fait nuit, là, donc. Ça arrive, oui. Ça arrive. Je propose de commencer cette émission avec un reportage consacré à Emmanuel Leterme Carpentier. Bonsoir Emmanuel, bonsoir. Bienvenue. Vous dirigez une grande exploitation qui fait 95 hectares, sur lesquels on trouve 170 bovins. Je ne sais pas si ça fait rêver Jocelyne. Oui. Vous êtes de quel gabarit, vous? Je fais 1m60 également. Ah oui. Bon, donc pour être agricultrice, il faut mesurer 1m60. Hein. Non, pas forcément, mais avec un peu plus de taille, je m'en sortirais peut-être mieux encore. Hein, mais... Vous pensez qu'il vous manque parfois un peu, un peu de force? Beaucoup de force. Beaucoup de force. Beaucoup de force. Votre mari dirige une autre exploitation de céréales, et vous dirigez donc la vôtre en coopérative avec votre père. Vous vivez à 2000 à l'heure, vous êtes maman, vous êtes épouse, vous êtes agricultrice à plein temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on va voir ça dans le reportage. Est-ce que vous avez l'impression d'abord, Emmanuel, d'être une et une seule femme, ou d'être différentes femmes à différents moments de la journée et de la vie? Moi, je suis différente à différents moments de la journée, en fonction de ce qu'il y a à faire, et puis des impératifs, je change mon attitude et ma façon de faire. Emmanuel, on a passé donc quelques heures avec vous. Je préfère vous prévenir que ça va très vite. Levé 6h, coucher 23h. Donc un marathon de 17h de suite, ce jour-là suivi par vous-même évidemment, mais aussi pour ce qui concerne l'équipe de Ça se discute, Caroline Coldéfi et Jean-René Chaperon. C'est le premier donc reportage consacré à cette émission sur les agricultrices. Emmanuel est chef d'exploitation. Elle possède avec son père 170 bovins et 95 hectares de céréales. Malgré le travail et le manque de temps, elle prend toujours un moment pour s'occuper d'elle. La première chose qu'on voit chez une personne, même si c'est ridicule, c'est un petit peu son aspect extérieur. Si elle n'est pas soignée,
Bah, chez elle, ça doit pas être soigné. Les repas, ça doit pas être soigné. Les enfants doivent pas être soignés. Et puis, bah... Du coup, on évite de les fréquenter. Alors, moi qui aime bien le contact avec les autres, j'ai pas envie qu'on m'évite sous prétexte que bah, j'ai un métier qui fait que j'ai plus de mal que les autres à avoir une apparence physique comme les autres. Et j'ai pas envie que ma fille, on se moque d'elle en disant « Oui, ta maman, elle s'en bougeait, elle a toujours ses bottes. » Tu veux mettre celle-là ? Pourquoi celle-là ? Alors, elles sont bleues ? Oui. Alors, je préfère quand même faire attention à moi, au moins, ben, elle sera pas la risée des autres. Tiens. D'abord celui-ci, tu mets tout dedans. Vas-y. Et si tu veux d'eau, tu vas en chercher à la cave. Oui, je veux bien plus haut. J'ai envie de rester présentable et pas être une vieille femme d'agriculteur à 40 ans. Enfin, je serais prête, hein, toute ridée, toute moche, mais bon. Je peux appuyer. Oui, tu peux appuyer. Ouais. Mais j'aimerais bien quand même rester le plus longtemps possible. Présentable, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dedans? En agriculture, quand on se laisse aller, ben, on est vite, vieille. Tu attends. Parce qu'on a des souris plein à la grange. Toujours bien cette dame. Ah oui. C'est vrai, hein, toujours bien. Enfin, tu me dis quand même, hein, quelquefois je vais rechercher Amélie chez toi, que j'ai pas eu le temps de me changer parce qu'on se connaît bien, quoi. Oui. Hein, une fois je suis allée te la rechercher en salopette, voilà. Et puis je te dis, oh, je sens pas bon, je suis désolée. Il y a que toi qui sens. Et toi tu dis, oh non, non, c'est pas vrai, voilà. Mais moi je le sentais. Hein. Oui, alors j'ai pas osé rentrer chez toi parce que je sentais pas bon, je suis restée à la porte et je lui dis, donne-moi là. Alors qu'il y a vraiment je pas. Je pars embaumer ta maison, alors tu pouvais pas. Pas du tout. Non. Mais c'est vrai que tu prends toujours la peine de te habiller, de te remaquiller. Et quelqu'un qui sait pas, c'est pas qu'elle est agricultrice, ça c'est sûr. 8h45, Emmanuel part travailler, changement de tenue et changement d'ambiance. Après l'école, il faut courir pour changer, se déshabiller. Vous voyez les défilés de mannequins, elles sont toujours en train de courir. Ben moi c'est pareil, mais moi c'est entre des vêtements sales et des vêtements propres. Si elle veut, mais dans ce cas-là, elle devient un homme. Hein. Donc physiquement, eh ben, elle prend la corpulence d'un homme. Si elle est appris à travailler tôt, elle accroche des bras comme les hommes, des mains comme les hommes, une démarche d'homme. Et puis bon, ça dépend ce qu'on veut faire de sa vie. Hein. J'ai ces deux côtés en fait, hein, dans ma personnalité, où j'ai besoin d'avoir mes mains sales, de faire un travail physique, j'ai besoin. Hein. Quand je fais rien de ma journée, je suis pas bien le soir, je suis de mauvaise humeur, alors non, je saurais pas. Emmanuel est marié depuis 7 ans. Son mari, Laurent, a sa propre exploitation agricole uniquement des céréales. Il vient quand même parfois donner un coup de main à sa femme et à son beau-père. Quelquefois, je lui reproche, il dit « Ouais, regarde, t'es là, bien habillé et tout, puis nous, on est là, on a un matériel à réparer, la veille, on a eu un problème, on a eu de la casse, bon, on est deux, mon beau-fils, lui, il tronçonne, moi, je soude, puis elle semaine, elle est toute papante. » J'ai dit « Te voir, on ne s'en ira pas encore avant 1h30, 2h, du matin, on va encore rien faire, puis toi, tu reviens, il est 11h, t'es toute belle. Ouais, ben, j'ai été faire des courses là, j'étais ici, j'étais là, ici et là, oui. » Je suis allé chez le vétérinaire, je t'ai rapporté des médicaments qu'elle me met dans le tracteur. Et puis je reviens, je casse une bouteille en revenant. Alors je dis, bah, la prochaine fois, tu ne me mettras plus les médicaments dans le tracteur parce que j'ai cassé la bouteille. Mais je peux pas en aller chez le vétérinaire en plein centre de Solesmes avec ma salopette et puis mes bottes. Ah non, ah non. Alors je profite du fait que je sois bien habillée, que je sois propre du moins, pour aller faire ces courses-là aussi. Voilà. Et c'est vrai, quand je reviens et qu'eux, ils sont en plein boulot, ben... Quelquefois, on est mal accueillis parce qu'eux, ils ont eu du mal et ils s'imaginent que celui qui n'est pas sale, il ne fait rien. Quoi. 11h40, Emmanuel doit finir le repas avant d'aller chercher sa fille à l'école. Elle va donc prendre une douche et encore changer de vêtements. Alors, je m'habille qu'en solde. Alors, j'achète souvent un tailleur à la fin de l'hiver, quoi, début janvier.
Je regarde toujours le prix, je vais voir la semaine d'avant si ça me convient ou pas. Et puis dès le jour des soldes, je vais voir s'il est encore là. Et puis pour l'été, c'est pareil, je m'achète une tenue l'été. Donc j'ai la même taille depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait 12 ans. Alors ben, à force, j'ai des petites affaires qui sont accumulées, mais je dépense pas grand-chose dans mes vêtements. Hein, non. Mais ça c'est des tailleurs divers en fait, j'ai une robe avec une veste au-dessus. Et alors, leur pantalon, c'est toujours du classique. Hein. Je me suis relavée, je sens bon. Mes mains sentent à peu près correctement. Ah oui, je sens pas trop la vache, ça va. C'est une odeur qui tient. Hein. Quand vous êtes dans les vaches comme ça, l'odeur elle reste sur vous. Alors si vous vous lavez pas, bah, vous sentez. Surtout que moi en plus j'ai une peau de blonde. Alors j'ai pas de chance comparé à d'autres, c'est que l'odeur reste sur moi. Ou alors puis j'ai un sens de l'odorat fort développé. Alors je le sens. Je me force à garder mes talons parce que si j'en mets plus, et ben après je saurais plus en mettre. Et comme mon mari est très grand, on fait déjà Laurel et Hardy tous les deux. Donc quand on sort ensemble, j'ai toujours aimé porter des talons. Je me sens bien avec des hauts talons. Donc je continue à en mettre. Même si parfois c'est pas toujours pratique, mais enfin moi ça ne me pose pas de problème. Je prends des talons assez larges, j'arrive à courir avec, ça ne me gêne pas. C'est un atout qu'on a, les filles. Les garçons ne mettent jamais de hauts talons. Bah alors on peut se différencier les deux comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait comme Amélie parce que j'aimais bien les oiseaux. 12h45, visite du négociant en bestiaux et cette fois Emmanuel a gardé ses talons. Tu prends jamais les plus laides, hein? Bah, ça sert à rien, après je te donne pas un bon prix. Bah oui, c'est bien. Dans le commerce, faut toujours être bien avec les femmes, surtout en agriculture. Parce que souvent c'est elle qui porte le pantalon, mais dans notre sens quelquefois c'est elle les plus dures aussi. C'est parfois plus facile d'avoir des dialogues avec les hommes quelquefois. Je dis pas qu'on essaie de les charmer, mais du moins on blague sur d'autres sujets, qui permet parfois pas de les attendrir, mais entre guillemets il faut parfois un effort aussi parce qu'on est une fille. 13h15, c'est l'heure du déjeuner. Le père et le mari d'Emmanuel n'ont pas le temps de rentrer à la maison. Alors, le repas va se passer dans les champs. On y va ? Alors, je suis mon épouse, je suis jamais venu manger le midi, rarement chez moi. Mon épouse, elle m'a toujours apporté le dîner. Et puis, c'était rarement des tartines. Il est venu à la maison, il est venu chez lui voir maman. Donc, tu diras ce soir, à 5h30, on arrêtera. Oui. Comme ça, Laura, elle ira faire son tour de plaine avec. S'il y a quelque chose à faire, elle va. Donc, j'ai retéléphone de venir après 5h30, alors. Comment vous êtes rencontrés avec Emmanuel? Elle m'a plu. Elle, au début, c'était plus difficile. Vous ne vous plaisiez pas au début? Non, parce qu'il n'avait pas le même caractère que moi et j'aurais voulu avoir quelqu'un qui avait le même caractère. Un peu comme papa et moi, en fait, parce qu'à deux, on a le même caractère. Mais en fait, je crois que si j'avais été mariée avec quelqu'un du même caractère, on serait disputés, quoi. Alors bon, à force, tout compte fait, je crois que c'est le caractère qui me convient bien parce qu'on se complémente. Physiquement, qu'est-ce qui vous a séduit? Physiquement, si, c'est physiquement, j'ai pas à me plaindre. Je crois que on peut pas lui reprocher grand chose, mais malgré son 1m60, c'est une femme bien faite. Viens. Il y a des femmes qui ne vivent que pour leurs animaux. Moi, je les aime bien parce que je gagne ma vie avec, mais bon, il y a des moments, j'ai pas trop de pitié. Quoi. Une qui me casse les pieds, qui se casse la figure en salle de traite, j'ai pas mal au cœur quand elle s'en va à l'abattoir.
Doucement. Doucement. On redresse. On redresse. Doucement. Stop. Non, non, doucement. Tire sur le pied. Là. Allez, au port. À le port. C'est bon. C'est bon. Il n'est pas encore échappé. Il n'est pas encore échappé. Il va revenir. Il va revenir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je remouille un peu. C'est tendu. Doucement. On va le mettre ici. Là, c'est bon. Voilà. Ça y est, parti. Voilà. À comme ça, il est à rescapé. Hein. Surtout que c'est un petit touriste. Ils sont plus chers. Ils sont chers en ce moment. Une fille toute seule, ça ne peut pas faire ça. Si. À Belov normal, si. Si, mais à Belov comme ça, non. Le bourg est mort. Que ce soit une sacrée bonne femme, Cora. Non. Et même au niveau stress, ça doit être dur quand même, toute seule la nuit, quand on a des trucs comme ça. Vous voyez, le bourg. Une femme, elle a accouché, qu'est-ce que c'est, tout ce qu'on ressent et tout. Bah, le petit bout, il est arrivé, il respirait pas. Bah, une femme toute seule, elle va le récupérer mort, hein. Tellement c'est dur. Heureusement, bon, il était temps, donc. Hein. Ouais. Oui, il était grand temps, maman. C'est bien. C'est bien. Alors, oui. J'ai des points de plus. Oui, t'as bien. Voilà. Ça ressemble à votre vie. C'est ça. Ça partage, oui. Ressemble à votre vie, tout ouais, à c'est fait, ça. Oui, oui, ouais. Oui. C'est à peu près le même rythme tous les jours. Oui, enfin, je crois qu'ils ont retiré pas mal de choses. La traite des vaches, par exemple, ça vous prend combien d'heures par jour ? Une heure, un quart le matin, une heure, un quart le soir. Ah oui, 2h30 par jour. Enfin, je ne traite pas les jours où ma fille va à l'école. Je ne traite pas le matin, les jours où ma fille va à l'école. Je ne traite que le soir, dans ce cas-là. On n'a pas parlé de l'aérobic non plus, de la gym que vous pratiquez aussi ? Oui, que j'essaye d'aller le mardi après-midi. J'essaie d'aller une heure à la gymnastique quand je peux, ouais. Quand le travail le permet. Quand il ne fait pas beau, par exemple. Ouais. Les jours où il pleut, c'est plus facile, oui. Et l'équitation ? Alors là, je me suis inscrite et puis j'ai dû abandonner. C'était le jeudi matin et il y avait toujours quelque chose pour m'empêcher d'y aller. Donc, j'ai dû faire une croix dessus. D'accord. Qu'est-ce qu'on a oublié encore dans vos activités? Qu'est-ce qu'on a oublié de montrer? Oh mon Dieu. Ben, la lessive, le ménage, la préparation des repas. Ouais. Les devoirs? Non, elle n'a que 5 ans. Elle n'a pas de devoirs encore à 5 ans. Et puis les câlins avec ma fille. Et vous avez le temps pour la lecture, pour la télé, pour les films, pour... Je vais quelquefois au cinéma avec mon mari le samedi soir, quand c'est l'hiver et qu'on n'est pas trop fatigué. Mais enfin, généralement, on va à la séance à 9h30 et on s'endort dans le cinéma, donc on se réveille au générique de fin. D'accord. Vous n'êtes jamais fatigué, Emmanuel ? Si, quand je m'arrête. Ah bon ? Oui. C'est votre nature qui est faite comme ça ? Peut-être, oui. Tant que je suis en route, ça va. Mais quand je m'arrête, si je m'assieds, je m'endors. Vous comprenez ça, Marie-Thérèse, vous ? C'est la fatigue. Vous comprenez qu'elle se fatigue quand elle ne fait rien ? Ah oui, mais elle est fatiguée, donc après, quand elle arrête, c'est... Ah oui, c'est le coup de barre. Ouais. Je connais ça. Vous connaissez ça. Mais quand vous avez bien dormi le samedi soir au cinéma, vous pouvez faire la grasse matinée le dimanche matin ou... Ah non, je traite toujours le dimanche matin, ouais. Avec mon père tous les dimanches matins, oui. D'accord. Bien. Est-ce que vos voisines, est-ce que toutes ces femmes soignent leur apparence avec autant de soins jusqu'à la goutte de parfum ? Oui. Oui, oui. Non. Non, vous non ? Vous non, Jocelyne ? Non, parce que je pense que, après tout, à mon avis, une femme n'a pas forcément besoin d'être bien habillée, d'être parfumée pour être elle-même. Pour être féminine ? Oui, voilà, pour être féminine, oui. Ouais. Moi, mon mari, il n'aime pas trop ça, alors donc... Qu'est-ce qu'il n'aime pas, votre mari ? Pourquoi, Qu'est-ce qu'il n'aime pas, votre mari ? Il n'aime pas trop les femmes maquillées, bien habillées, c'est vrai que... Il aime l'odeur des vaches, il aime tout ça, même le soir, même le soir dans la chambre ? Pas rien que l'odeur des vaches, non, il ne dort pas avec une vache, je vous préviens. C'est pas ce que je voulais dire, excusez-moi.
Marie-Thérèse Bouquet, d'une autre génération, est-ce que les femmes paysannes, 20 ans plus tôt, faisaient attention à leur maquillage, à leurs vêtements, se changeaient 6 fois par jour, avoir un petit tailleur avec des petits collants, une petite jupe sous la salopette ou sous la combinaison? Disons que de mon temps, c'était, comment je vous dirais, moins compliqué peut-être que maintenant. Disons que, par exemple, les enfants, ils avaient la classe au village. Ils allaient en classe seuls, quoi. Ils partaient à pied, ils allaient en classe seuls. Tandis que maintenant, la belle fille, il faut venir les gosses prendre le bus et souvent, il y a souvent de quoi faire, quoi. Les amener au sport, les amener vous, ici. Vous dites que c'est plus difficile maintenant qu'avant? Est-ce qu'on pourrait penser le contraire avec la mécanisation et... Les mamans sont beaucoup plus prises, je crois, maintenant qu'autrefois. C'est lié à quoi, ça? Ah, ben c'est le progrès. C'est le progrès, ça? Enfin, le progrès. Ben oui, mais je sais pas, moi. Oui. C'est le mauvais côté du progrès. Oui, enfin, si vous voulez. Mais le sport, tout ça, on ne faisait pas autrefois. Ils allaient à l'école, et puis ils faisaient la gymnastique à l'école, et puis c'était terminé, quoi. Mais vous faisiez du sport, parce qu'Emmanuel va au sport, par exemple, le mardi après-midi, quand il pleut. Ah non, on ne faisait pas du sport, non. Non, non. Non. Enfin, en même temps, votre métier, c'en est du sport, quand même, j'ai l'impression, moi, non? Oui, mais on travaille que certaines parties de notre corps, en fait. Et donc, le dos est fort sollicité. Il y a des gestes qu'on fait tout le temps et qui nous bousillent le dos, entre guillemets. Alors, si on n'essaie pas d'avoir d'autres gestes qui nous permettent de remettre en place nos vertèbres, eh ben, à 60 ans, on est toutes courbées. Et... Vous sentez comment, Marie-Thérèse? Comment? Vous avez l'air bien? Vous êtes toutes courbées ou vous sentez comment physiquement? Elle est plus petite que nous, alors. Elle est encore plus petite que... Oui. Non, ça va. Ça va physiquement? Vous souffrez, vous? Si, des fois, je souffre du dos. Mais du dos, ouais. Vos cheveux longs, Emmanuel, est-ce que c'est pour vous un symbole important? Non, c'est une question de praticité, en fait. Oh non, c'est les cheveux courts qui sont une question de praticité. Non, parce que les cheveux courts, pour être bien coiffés, à moins d'avoir vraiment les cheveux à la garçonne, mais je crois qu'il y a du soin quand même à porter. Il faut aller chez le coiffeur parfois. Bon, c'est du temps d'aller chez le coiffeur. Il faut essayer de se repeigner. Tandis que moi, mes cheveux longs, je fais une queue de cheval et puis je suis partie. Je peux retirer mon élastique, le remettre. Non, ça ne me pose pas de problème. Ouais. Ouais. Faites attention à votre apparence physique, Muriel, à part ce soir, on a la chance de vous recevoir ici, j'ai pas eu le plaisir de vous voir au travail, vous avez beaucoup de boulot aussi, vous avez une grande exploitation, vous arrivez à rester féminine tout en étant au boulot? La semaine, non, évidemment, mais le soir, ou quand je vais en ville, ou les week-ends, ou quand des repas de famille, j'essaye de m'habiller comme ce soir, quoi. Ouais. J'essaye d'être différente. Moi je dis qu'il faut quand même garder sa féminité. Jocelyne dit que c'est une femme, elle, en revanche. Oui, mais une femme en jean. Je vois pas pourquoi une femme porterait forcément une robe. Mais pourquoi vous avez mis une robe ce soir? Ça vous va bien à Paris. Hein, mais... Parce que je suis venue à Paris et c'est la première fois que je viens. Alors bon, quand même, il faudrait... Ça vous plaît? Paris? Oui, mais il y a trop de voitures. Qu'est-ce que vous pensez de Paris, vous? Parce que c'est vrai que vous avez peu l'occasion de venir. Ça sent mauvais. Hein. Ça sent mauvais? Ah oui. C'est pas trop pollué, en fait. Ah oui. Plus que les vaches. C'est la pollution. Vous sentez la pollution en arrivant ici? Oui, énormément. On la sent plus, nous. On va parler de fiancée, de mari, maintenant. Comment vous avez rencontré votre mari, Emmanuel? En fait, je le connaissais depuis longtemps. J'avais été à l'école avec lui. Et puis, on s'était retrouvés après le baccalauréat dans la même école. Il avait toujours dit, oh là là, celui qui aura cette fille-là, il n'aura pas de chance. Ah bon? Non. Et puis, tout compte fait, après... Pourquoi il disait ça? Parce que j'étais un peu turbulente en classe. Et puis, bon, il disait toujours... Enfin, il ne se voyait pas du tout marié avec moi. Et moi, je ne me voyais pas du tout marié avec lui parce qu'il était trop calme pour moi. Donc, et après, on s'est retrouvés plusieurs fois dans des réunions en fait, de jeunes agriculteurs. On est allés en soirée agricole ensemble. Donc, on s'est mis à danser ensemble. Et puis, bon, on s'est bien entendu. Et... Une soirée agricole, ça se déroule dans une boîte de nuit Non. Ce sont des soirées privées, en fait. Ah oui. On reçoit. On reçoit pas, forcément. Ah bon? On fait ça dans des grandes salles de réception, des salles des fêtes. Et puis, on invite tous nos amis et chacun paie sa part. Et puis, on fait des grandes soirées comme ça, où on danse. Est-ce qu'il était indispensable que votre mari soit agriculteur? Ah oui. Pourquoi? Ben parce que je ne concevais pas ne pas revenir sur l'exploitation de mes parents. Les autres petits amis que j'ai eus avant étaient également du milieu, mais comme ils ne voulaient pas revenir travailler sur la ferme, eh ben, je ne me suis pas mariée avec eux. Ça ne s'est pas concrétisé. Pourtant, votre mari ne travaille pas avec vous sur la même terre? Non, on habite en fait, on est à 3 km, les deux fermes sont à 3 km les unes des autres, mais on travaille quand même ensemble, quoi. Non, mais donc, je veux dire, il participe aux travaux. Oui, il participe, il vous aide quand même, vous donne un coup de main. Oui. Mais il pourrait avoir un autre métier, vous donne un coup de main aussi, ça je voulais dire. Oh non, ça m'aurait pas plu, puis c'était pas possible. On n'aurait pas du tout eu les mêmes horaires. Non. Puis si on veut se voir, c'est pour... Il faut absolument vivre dans le même contexte pour savoir comment c'est, quoi. Ah oui. Ce qui est difficile à faire comprendre, c'est par exemple un samedi soir où vous voulez sortir,
Et puis bon, vous avez un repas de prévu. Normalement, en ville, on mange plutôt vers 20h. Et puis, malheureusement, il y a une mise bas ou autre chose de prévu où il a fait beau, il a fallu faire son travail. Et, le problème, vous arrivez à 22h, pas à l'heure prévue, quoi. Alors, quelqu'un qui n'est pas du contexte ne comprend pas. Il va vous dire commencer la traite plus tôt, parce que bon, la traite, ça commence à 19h. Il va vous dire commencer la traite plus tôt, mais c'est pas possible. Le reste du travail, après, il faut... Non, il faut... c'est organisé, mais malheureusement, il y a beaucoup d'imprévus. Donc, vous allez dans les soirées agricoles aussi pour trouver quelqu'un qui est de la partie, qui est un agriculteur également? C'est difficile aussi, hein. Un agriculteur... Attendez, pas d'agriculteur, c'est pas possible. Un agriculteur, c'est difficile, alors. Comment vous allez faire? Un agriculteur, au jour d'aujourd'hui, comme les temps sont très difficiles, ils cherchent une femme qui pourrait les aider et qui aurait une exploitation pour agrandir leur exploitation. C'est-à-dire qu'ils veulent les bons côtés, mais pas les mauvais, quoi. Ils veulent devenir le chef? Voilà, ils veulent devenir le chef. Et moi, non. Vous voulez rester le chef chez vous? Oui, oui. Je suis exploitante agricole à temps complet et je souhaite y rester le plus longtemps possible. Vous cherchez un homme pour faire le ménage ou... Non, non, même pas. Non. Même pas. Qu'il ait le même métier, d'accord, mais ouais. Qu'il me respecte en tant qu'exploitante agricole et non comme boniche à la maison. C'est tout. Vous dites ça, mais ça fait sourire tout le monde parce que c'est vrai que ça se passe souvent comme ça. Ginette, vous avez l'impression d'être... Non, moi j'ai beaucoup de dites chance. Dites ce que vous pensez, Ginette, hein, même en présence de votre belle-mère. Hein. Attention. Non, j'ai toutes les chances, j'ai et la belle-mère et le mari, donc j'intérêt à rester dans les rangs. Mais non, moi j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que malgré son travail à l'extérieur, il est quand même sur l'exploitation une bonne partie de son temps. Bon, c'est sûr aussi que c'était un autre contexte, étant donné que c'était son exploitation, que je reprenais l'exploitation de sa famille. Donc bon, moi je faisais l'effort, mais il allait falloir qu'il se fasse des deux côtés, quoi, parce que... Il a vécu dans ce contexte. Voilà, lui, voilà. Il a vécu dans ce contexte. Voilà. Mais quelqu'un qui est d'extérieur, tout qu'on va fait. Mettre dans le milieu, c'est pas possible. Tout si, les premiers temps, c'est beau, c'est la nature, ah, les bêtes, elles sont formidables, les tracteurs, ah, c'est bien, tu conduis un tracteur. Mais quand vous parlez des hommes en disant, ils voudraient ceci, ils voudraient ceci, ils voudraient cela, c'est un point de vue théorique, vous pensez qu'ils pensent comme ça, ou est-ce que vous avez déjà discuté avec certains hommes et vous avez pu le vérifier? Parce qu'un type va pas vous dire... Écoute, ma chérie, je voudrais que tu sois ma boniche, etc. Il va pas l'exprimer comme ça, quoi. Non, non, non. Ça commence, bon, vous rencontrez un jeune homme. Donc, le jeune homme va vous dire qu'il admire ce que vous faites, ce que vous êtes, en tant que femme exploitante. Et puis, 6 mois après ou 1 an après, il va dire, tu sais, hein, faire les traitements dans les champs, c'est pas pour les femmes. Il va commencer par dire ça. Après, il va dire, oh, tu sais... Ça vous fait rire, Emmanuel, ça? Oui, ça me fait rire. Mais oui, tout à fait. Après, monter sur un tracteur, c'est pas pour une femme. Ouais. Et alors arrive à un stade où, oh mais tu sais, les casseroles c'est pour toi, les gamins c'est pour toi, et puis l'exploitation, je vais m'en occuper. Donc vous étiez femme exploitante et vous devenez femme exploitée, si on peut dire. Non, non, je reste femme exploitante. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous fait rigoler comme ça, autant que ça, toutes? Bah parce que... Parce que c'est vraiment, on met le doigt sur la vérité, quoi. Oui, c'est la réalité. Comment ça se fait qu'Emmanuel ait trouvé un... Parce que c'est un homme qui est de la partie. Autour de vous, vous avez fait un petit casting dans la région. Comment on fait à votre j'en place pour essayer encore, de trouver un... J'en connais encore. Ah, j'en connais encore. Oui, j'en connais encore d'autres, si vous voulez. Ah, bon. Non, non, mais c'est vrai que c'est difficile, quoi. Ça se fait pas, quoi. Quelles sont pour vous les occasions de rencontrer des hommes, alors? Ah, c'est toujours contexte de travail, hein. On rencontre dans les coopératives ou dans les réunions, parce que bon, il y a des réunions, évidemment, on s'informe, hein, on n'est pas dans le fin fond de la brousse, faut pas croire. Et on les rencontre comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est souvent par amis aussi, quoi. On connaît quelqu'un, il m'arrive parfois de sortir en discothèque aussi, hein, il faut pas croire. Ouais. Mais, je crois rien. Ouais. C'est-à-dire, ça vous arrive aussi souvent que vous prenez des vacances? Un petit peu de vacances, oui. 3 jours en hiver et un week-end en été à peu près. Bah oui, c'est difficile, hein. Comment voulez-vous, hein. 5 jours par an? Oui, à peu près. Ouais. Une petite semaine. Une petite semaine. Une petite en semaine. Tout, en additionnant les jours. Voilà, ouais. C'est ça. Mais nous, on est toujours en vacances, on est au grand-père. Ici, on est étouffé, il y a des buildings tout le tour, on ne voit pas le soleil, on ne voit pas le ciel, on ne voit pas la verdure. Nous, on est bien. Est-ce qu'il vous arrive de mentir sur votre métier pour essayer de tester un homme quand vous le rencontrez en discothèque ou... Non, non, mais au premier abord, quand vous dansez avec quelqu'un et qu'il vous demande votre métier, je ne le dis jamais aussitôt, je le dis simplement à la personne, cherche mon métier. On m'a toujours dit que j'étais soit vétérinaire, soit docteur, soit secrétaire, mais jamais agricultrice, jamais. Et quand je le dis... ah, c'est peut-être bien la campagne, mais ça a de l'odeur la campagne, vous comprenez? Il y a des odeurs pas très... que tout le monde aime, quoi. Donc non,
ils sont un peu... Non, je crois que... Et quand vous dites que vous êtes chef d'exploitation plutôt qu'ouvrière, qu'est-ce que ça change ? Qu'on les fasse bosser, ah, bon ? Vous pensez qu'ils ont peur qu'on les fasse bosser ? Oh, certainement, ça changerait un petit peu qu'ils se mettent au boulot. Travail, hein, ouais. Certainement, oui. Absolument. Vous envisagez d'avoir des enfants ? Vous aimeriez avoir des enfants ? Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc il faut un mec pour ça, normalement. Hein. Bah... Ah, la science fait des progrès. La science fait des progrès. Il y a des donneurs anonymes maintenant. Ah, vous songez aux donneurs anonymes ? Non. Enfin bon, je suis encore pas trop vieille, quoi. 30 ans, ouais. C'est quand même encore. Ah, bon, ça laisse de la marge, bien sûr. Parce que je remarque autour de moi, quand même, les femmes se marient de plus en plus tard, quoi. Donc 30 ans, c'est pas encore. Non, c'est l'âge moyen pour avoir le premier enfant aujourd'hui, donc ça laisse de la marge. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai. Quand on a des enfants, après, il faut essayer de. On est obligé d'abandonner certaines choses sur l'exploitation. Parce que, bon, l'enfant, il passe quand même. On ne met pas au monde des enfants juste pour avoir des enfants. Vu les horaires qu'on a, s'il faut les mettre en nourrice, on ne les voit pas du tout. Mm-hmm. Alors, bon, ou alors, c'est le mari qui fait l'effort de rester plus à la maison et s'occuper de l'enfant. Mais bon, dans nos métiers, faut en trouver un bon. Je ne sais pas, j'en connais pas. mais c'est souvent la maman qui est obligée de faire l'effort, quoi. Je donne la parole maintenant à Samuel Boucher, à Marie-Béatrice Lasselin. Où est-ce qu'il est, Samuel ? Bonjour Samuel, ça va ? On s'était vu il y a un peu plus de deux ans maintenant. Vous étiez venu à notre première émission sur les paysans. Vous êtes un jeune agriculteur à la tête d'une exploitation céréalière de 110 hectares qui se trouve dans le Loiret. Vous êtes donc venu il y a deux ans notamment nous dire qu'il était difficile pour un jeune agriculteur de trouver une jeune femme pour vivre avec lui. Vous aviez gueulé sur certains points, mais sur celui-ci en particulier en disant que ce n'était pas évident. Vous aviez une mauvaise image, que vous aviez beaucoup de boulot. Et où vous en êtes aujourd'hui alors ? Bah disons que je suis avec Marie depuis deux ans. Et donc, on s'est rencontrés par hasard. Hein. Je pense que j'ai eu la chance de tomber sur une fille qui avait déjà peut-être une fibre pour la campagne. Quoi. Dans quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés ? Bah disons que j'étais chez mes grands-parents qui habitent en Côte d'Or. Et il se trouve qu'elle habite la Côte d'Or. On s'est croisés par hasard. J'ai réussi à savoir son nom. Je lui ai écrit. Et puis, tout bêtement, voilà, quoi, j'ai osé lui écrire. Et puis... Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble alors ? Deux ans, un peu plus de deux ans. C'était avant ou après l'émission ? Ça faisait un mois qu'on était ensemble quand on a fait l'émission. Ah, dis donc, vous étiez venu vous plaindre en disant qu'on n'avait pas de femme sur le plateau ? Ça faisait un mois, on s'était vu deux fois. Ah, oui. Marie, vous l'aviez vu à l'émission, dire que c'était impossible de trouver une femme et tout ça ? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, il est culotté quand même. Mais bon, c'est vrai que c'était le but de montrer que les agriculteurs, c'était pas si difficile de trouver une femme. Bon, bien que le métier en lui-même, il faut faire certaines concessions, ça c'est sûr. Vous avez hésité quand même ? Vous avez pesé le pour et le contre avant de... Non, pas du tout, non. Parce que bon, c'est vrai que déjà, j'aime beaucoup la campagne. J'allais souvent voir mes grands-parents qui habitent la campagne, je m'en faisais une joie. Donc, quand j'ai appris qu'il était agriculteur, ça m'a... j'ai pas fait des bonds de mètre. Vous avez l'impression, Samuel, qu'il a fallu faire vos preuves vis-à-vis des parents de Marie-Béatrice ? Ben oui, je pense, parce que ses parents sont... Enfin, c'était des fonctionnaires, son père était du milieu militaire. Marie-Béatrice a deux sœurs qui sont elles aussi militaires, donc mariées avec des militaires, donc c'est un milieu... qui est militaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Yes. Hein, c'est bien. Ça se tient, ça se tient. Donc la difficulté, c'était par rapport à mon métier, déjà le temps que je peux consacrer à la famille, où ils avaient sans doute des inquiétudes par rapport à ça. Et comment vous les avez rassurés ? Bah, je pense qu'en discutant un petit peu avec eux, est-ce qu'ils sont rassurés d'ailleurs ? Je n'en sais rien. Ah ouais. Vous aimeriez que votre femme travaille avec vous à la ferme ? Dites la vérité, Samuel, toute la vérité. Ben non, pas spécialement, parce que j'en ai... Enfin, non, entre... pas du tout, même, vous avez... Pas du tout, non. Disons les choses comme elles sont. Ouais. Donc je suis dans une ferme céréalière, donc déjà, a priori, il y en a elle moins... Elle fabrique du pain, oui. Peut-être moins le besoin que dans une ferme d'élevage, où sans doute, c'est vrai qu'il est difficile déjà pour une personne seule de tout faire, que moi, je m'en sors très bien tout seul, donc je fais autre chose en plus à côté. Donc dans une ferme céréalière avec 110 hectares, les 35 heures, on y est déjà, quoi. Donc le tout, c'est de s'organiser et puis peut-être de changer les méthodes qu'on avait avant, qui nous prenaient bien trop de temps et qui faisaient, comme la dame, j'entendais, elle a 110 hectares, bon, elle a de l'élevage en plus, mais j'ai du mal à concevoir qu'elle puisse être débordée à ce point-là, quoi. Je me dis que c'est une question peut-être d'organisation ou de délégation, en tout cas. Enfin, j'ai 150 chèvres. 110 hectares et j'ai mon frère qui a une exploitation aussi, donc je fais 160 hectares et c'est sur trois communes très différentes, c'est-à-dire qu'entre où j'habite et où je vais exploiter, il y a 15 km.
Alors déjà, rien qu'en voiture ou même en tracteur, il faut aller-retour, il faut une heure. Samuel, alors, indirectement, vous soupçonnez d'être oui, pas très bonne gestionnaire. Oui, oui, je crois, oui. C'est un homme, on en revient. Voyez, oui, j'ai pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, je pense simplement que justement, vous auriez besoin de l'aide d'un homme et que vous ne vous, ou d'une femme ou de quelqu'un qui vous aiderait, mais comme j'ai l'impression que vous voulez pas tellement déléguer, ça c'est ce qui vous pose peut-être le problème ou qui vous fait que faire. Dès que vous vous déléguez, non, vous avez l'impression que la personne va vous prendre votre travail. Moi je pense que Marie, moi si un jour on me dit tiens je prends ta place sur le tracteur, moi ça me gênerait pas de déléguer ma place sur un tracteur. Oui. Donc quand on a l'impression un petit peu qu'on était face au mouvement des libérations des femmes, quoi, où vraiment nous les hommes on était des tyrans et tout, je pense qu'une femme de par sa nature, c'est sans idée préconçue, mais est-ce qu'elle est faite vraiment pour passer sa journée sur un tracteur, si elle peut être avec sa fille ou autre chose? Moi je sais pas, c'est peut-être plus à l'homme de faire ça, par contre la comptabilité ou autre chose, mais c'est pas une idée où il faut se sectariser. Non, c'est votre opinion et c'est l'opinion de beaucoup d'hommes qui travaillent à la campagne, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, voilà, femmes ici? Vous voyez, je ne sais pas moi qui l'ai dit. Je voudrais bien intervenir là-dessus parce allez-y, que madame, c'est quand même une image, c'est quand même une image de la... Il sait de quoi il parle pourtant lui. Oui c'est vrai, ouais, mais c'est quand même une image de la femme qui me déplaît un peu. Les femmes, on ne discute pas le métier qu'elles font à l'extérieur. Alors je vois pas pourquoi on discute leur métier d'agricultrice. Elles ont bien le droit de se considérer comme agricultrices à part entière. Enfin, on le voit bien, les témoignages qui ont été présentés. Ah, elles y arrivent. Mais ce que disait Samuel, c'est que c'est un métier physique, que... Et alors, il y a aussi des hommes dans le milieu paysan, ouais, qui reconnaissent qu'ils n'ont pas de force, qu'ils ont des handicaps, ouais, physiques, ça existe, et ils sont quand même paysans. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne ferait pas aussi ce travail-là. C'est parce que cette place, elle est discutée par les hommes qu'il faut montrer qu'on est capable de faire ça. Quelque oui, mais part, d'un autre côté, on voit aussi que ben, la jeune femme se changeait régulièrement pour ne pas montrer son métier et tout ça. Moi, c'est des choses qui me choquent un petit peu. Moi, je vais très bien en ville, en côte, et puis j'assume complètement le fait d'être en côte de travail si ben, je suis en train de travailler. Le temps passé à se changer 6 fois par jour, c'est vrai que ça prend du temps. C'est pas pour pas montrer ce que je fais, je suis fière de ce que je fais. Mais j'ai travaillé pendant quelques années dans un lycée agricole et je tiens à dire quand même que les mamans qui amenaient leurs enfants en bottes à l'école, eh ben les enfants, ils étaient quand même la risée des autres parce que les autres se moquaient un petit peu des mamans qui venaient sales à la porte parce que ben, ça donne une mauvaise image. Marie-Béatrice, est-ce que vous ressentez parfois le désir de quitter la boulangerie? Pas forcément définitivement, mais vous asseoir aussi sur la moissonneuse-batteuse Ah ça, non. S'asseoir sur... Bon, c'est vrai qu'au moment des moissons, j'ai plaisir à aller voir Samuel et aller dans la moissonneuse-batteuse, faire un petit tour, lui emmener ses repas. Ça, oui, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Mais bon, c'est vrai que s'il me déléguait, par exemple, il me disait « Bon, tu vas traiter tel champ », non, là, ça me dirait pas trop. Quoi. Non, mais quand vous écoutez nos autres invités, quand vous voyez ce reportage, par exemple, avec une femme qui assure, bon, pas tout, mais qui assure une bonne partie du boulot, ça vous donne pas envie de le faire à votre tour? Non, je trouve qu'elles ont du mérite, certes, mais moi, je ne suis pas comme ça. Donc, bon, je vois madame qui garde aussi son côté féminin, c'est très bien. Mais il y a un côté, je ne suis pas tellement d'accord quand, bon, vis-à-vis de sa fille, certes, elle va à l'école, elle enlève, bon, elle s'habille correctement et tout, mais il n'y aurait pas sa fille, est-ce qu'elle le ferait? Est-ce qu'elle garderait ses bottes en caoutchouc pour aller, je ne sais pas, moi, faire une petite course, aller en pharmacie Ah non. Je ne garderais pas mes bottes en caoutchouc. Moi, voilà, contrairement à moi, bon, moi, je le ferais, je veux dire, je n'ai pas à cacher. Des fois, bon, ça m'arrive d'aller chercher des engrais, des semences pour Samuel, bah, je suis en bottes en caoutchouc, vraiment sale sur moi, et je n'ai aucune honte à y aller dans cet état-là. Il y a une différence entre une ferme où il y a des animaux et une ferme où il n'y en a pas. Ça m'arrive d'aller en salopette, parce que j'ai des salopettes pour aller dans les vaches et une salopette pour aller dans les champs. Parce que je ne vais pas avec ma salopette de vache. Vous êtes allé dans les vaches, vous? Comment? Il y a une salopette pour aller dans les vaches? Pour aller dans les vaches, ouais. C'est-à-dire pour m'occuper des vaches laitières et de la bouse, et ouais, c'est-à-dire toutes les choses qui ont une odeur, quoi. Ouais. Et parce que quand vous faites un vélage, vous avez quand même une salopette qui est remplie de sang, remplie de glaire, remplie, bon, de liquide. Ah, ben, je suis désolée. Vous en mangez après, hein? C'est comme ça que tout le monde naît, et bon, vous faites, ah, oh, mais vous avez baigné dedans également, hein, ouais. Je suis, bon. C'est la vie, c'est la nature. Ouais. Allez, j'ai demandé à Yvette Thomas de venir nous rejoindre. Madame Yvette Thomas, venez. Venez Yvette, chef d'exploitation. Venez. Hop là, c'est parti. Bonsoir, bienvenue. Il faut encourager cette dame aussi. Une bonne poigne, madame. Hein. Vous appelez, asseyez-vous. 1m60, j'imagine.
Ah non, je vous trompais, 1m54. Ah, 1m54, ouais. Pourtant, vous êtes de la même génération. Modèle réduit. Vous êtes chef d'exploitation depuis 10 ans, vous occupez d'un groupement de formation pour les agricultrices de votre canton. Est-ce qu'il est vrai encore que les jeunes agricultrices ont du mal à trouver un mari, plus encore que les agriculteurs, une femme, Samuel? Enfin, c'est difficile de le dire. On peut parler de ce que l'on connaît. Bon, je pourrais parler de mon cas personnel. Vous voyez beaucoup de femmes. Vous voyez beaucoup de femmes. Vous parlez avec beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. Bon, moi, je suis dans des groupements où il y a des femmes qui sont généralement mariées. Mais par contre, on rencontre quand les jeunes s'expriment. C'est vrai que tout ce qui a été exprimé là depuis quelques instants, on le retrouve, cette gestion de temps, cette gestion de planning, cette gestion de loisirs, où les gens veulent vivre comme tout le monde. Et ces femmes, on n'est pas différent de la société, seulement on a un métier qui est très contraignant et qui est très calé sur la nature. Et de ce fait-là, je veux dire, on a des horaires complètement décalés et il est très difficile de l'expliquer à des gens qui ne connaissent pas. Ok, vous comprenez les difficultés que Muriel a exprimées pour trouver un type, surtout quand elle dit qu'elle est agricultrice et surtout quand elle dit qu'elle est chef elle-même. Oui, mais chef d'exploitation, enfin moi je suis chef d'exploitation, je suis devenue, C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie d'être commandée quoi, par un homme. Oui, je pense que c'est ça. Ça fait peur aux hommes, ça? Ça fait encore peur aux hommes? Il ne faut pas oublier que je n'ai pas fait ce métier-là parce que mon père avait quelque chose et j'ai pris la suite. J'ai fait ce métier-là parce que j'aimais ça, j'ai toujours aimé ça. C'est une vocation, c'est pas parce que je connais beaucoup d'hommes qui ont fait ce métier-là parce que ils savaient pas trop quoi faire. L'école, ils aimaient pas trop ça non plus. Donc ils ont pris la suite à papa et à maman et puis voilà quoi. Est-ce que moi j'ai voulu? C'est pas qu'on me l'a, c'est pas une obligation quoi, c'était tout à fait volontaire. Une vraie vocation, là. Ah oui, une vocation. Mais je crois que chacun peut s'exprimer différemment. On peut avoir des vocations, mais je crois qu'il faut savoir partager. C'est comme dans tous les métiers. Vous avez je crois que c'est lié à l'individu aussi. Et vous avez des individus dans des entreprises, je dirais, qui sont très personnels, et puis d'autres qui sont prêts à partager le travail. Je crois que ça, c'est un problème de personne au départ. Vous avez aussi il n'y a pas que les femmes, je dirais, à l'agriculture qui sont célibataires. On voit des femmes qui sont secrétaires dans d'autres milieux aussi. Une fois qu'elles sont mariées, on divorce moins plutôt que dans les autres milieux. Est-ce que ce sont les mariages mixtes entre guillemets qui tiennent le mieux ou les mariages entre agriculteurs? Franchement, je ne saurais pas vous répondre parce que je dirais peut-être des mensonges, mais je pense quand même que la difficulté, j'irais par rapport au statut de la femme. Et je crois que là, il y a un point très important, c'est soit la femme, elle est conjointe d'exploitation, et là, je pense que peut-être dans votre cas, c'est vous avez peur d'être à la limite dépendante de quelqu'un, ou la femme est chef d'exploitation, et là où la personne, elle décide, même si elle est avec son mari conjointement, elle partage les idées, elle fait partager les idées, elle fait évoluer l'exploitation, elle donne son point de vue. Vous avez envie de partager les idées? Non, les points de vue, c'est souvent l'homme qui prend les décisions. Pas tout le temps, quand même. On est complémentaires, chacun. On est très complémentaires. Moi, je trouve que c'est très complémentaire. On arrive à voir certaines choses. Nous, je parle de ce que je connais, nous, on prend toutes les décisions ensemble. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis chef d'exploitation que je vais décider que je vais changer tel ou tel matériel sans lui dire. On va faire venir les marchands. Bon, déjà, avec les problèmes que j'ai rencontrés au départ, je préfère qu'ils soient derrière parce que... C'est pas évident. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés au départ? Oh non, attendez, partez acheter du matériel agricole en tant que femme, vous avez tout gagné. Hop. Expliquez-vous. On va vous renvoyer pour aller acheter du maquillage, des robes, des chaussures, tout ce que vous voulez, sauf du matériel agricole. Au début, c'est dur. C'est très différent. Vous rentrez dans un magasin, c'est la catastrophe. Le problème, vous voulez acheter du matériel ou rentrer dans n'importe quel magasin, du moment que c'est pour votre métier, on vous dit votre mari est où? Voilà. Votre père ou votre frère? Voilà, mais quand on dit, il n'y a pas longtemps, il y a un monsieur qui vient et puis qui me dit... il est où le chef? Je dis c'est moi. Voilà. Bon, il est parti parce qu'il a cru que c'était une bêtise, mais c'était la réalité. Oui. Il est parti, vous n'avez pas cru? Ah non, il m'a pas cru, non? Vous ne l'avez pas retenu? Ah non, oh non. On ne discute plus là. On ne discute plus quand c'est comme ça. Non, mais si on a fait ce choix-là, pourquoi pas? Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on ne peut pas être considéré comme un homme. Et par contre, mais vous l'êtes considéré comme une femme en même temps, alors je ne comprends plus rien, moi. Vous voulez dire quelque chose, Marie-Paul? Considérée comme une agricultrice, tout simplement. Ouais. Je trouve que la question qu'elle pose sur le statut est une vraie question. Parce que je pense que tant qu'on aura cette ambiguïté sur les statuts, c'est-à-dire celles qui sont conjointes, considérées comme conjointes ou comme conjoints collaborateurs, ce que propose aujourd'hui la loi d'orientation, c'est quand même un sous-statut
c'est considérer encore qu'elles sont l'aide de quelqu'un et non pas effectivement l'égale de leur mari. Et je trouve que tant qu'on n'aura pas le même statut pour tout le monde, pour tous les chefs d'exploitation, on sera dans cette ambiguïté et dans cette image qui est véhiculée que les femmes ne peuvent pas faire ce métier. On va poser la question à l'expérience qui est incarnée ce soir par Marie-Thérèse. C'est vous l'expérience, madame. Oui. Vous étiez chef d'exploitation, co-exploitante avec votre mari, ou c'était votre mari qui était le chef de l'exploitation? 10 ans au départ, il était chef d'exploitation. Oui. Et moi, j'étais, comme dit madame, j'étais conjoint. Oui. Enfin, 2 ans seulement conjoint. Après, nous avons été salariés agricoles pendant 15 ans, salariés agricoles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le droit à une retraite, par exemple? Ah, je l'ai, la retraite. Oui. Bon, salariés agricoles. Alors qu'il y a des femmes qui ont été des épouses de chefs d'exploitation pendant toute leur vie, qui ont travaillé, après, comme vous avez travaillé, et qui n'ont pas eu le droit à la retraite, par exemple. Après, ma belle-mère est décédée, donc mon mari a été chef d'exploitation. Ah oui, d'accord. Après, mon mari a pris la retraite. Et moi, j'ai été chef d'exploitation. Ça fait, Ça fait que ça, il y a eu un roulement dans donc la famille. Je suis tombée veuve après. Et vous savez, on perd un peu les ailes, comme on dit. Ah oui. Et j'ai laissé la facilité à ma belle-fille. Est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes ces femmes? Est-ce que vous avez conseil à donner à toutes ces femmes pour qu'elles soient à la fois agriculteurs ou agricultrices, qu'elles soient à la fois des femmes heureuses et qu'elles soient à la fois des mères heureuses? Aujourd'hui, avec le progrès, qui n'est pas toujours un progrès selon vous. C'est difficile d'être agriculteur. D'abord, il faut aimer son métier. D'abord. Je crois que c'est le cas de toutes celles qui sont, qui sont là. Et puis après, bon, on est très tenu par son travail, c'est sûr. Alors c'est dur l'agriculture, mais enfin on gagne sa vie quand même. Quoi. Et on est heureux? Bon, heureux. Si on aime son métier, on est heureux, monsieur. D'accord. Si on aime son métier. Quelle question vous êtes-vous posée avant de vous dire qu'elle était capable de le faire? Pas du tout, pas de question. Aucune question? Pas de question. Vous savez, quand on perd son mari à 61 ans, c'est jeune. Il n'a pas profité de la retraite. Bon, je voyais l'avenir des enfants. Encore plus que moi, quoi. Moi, je savais que, vu que je suis à la ferme, je n'ai pas de loyer à payer, vous savez comment ça va. Donc, je savais que je m'en sortirais seule. C'était un risque de prendre votre belle-fille? C'était risqué? Mais non, c'est que pas ça risqué. Se passe... Non, c'était non, pas c'est risqué. Pas risqué, puisque tout était là. Quand je pose des questions, vous ne posez pas, non, donc je vais arrêter. Tout était là, non, excusez-moi, tout était là, il n'avait qu'à continuer. Alors, c'était c'est plus facile de continuer que de créer une exploitation. Ah, Et vous êtes en train d'amoindrir son travail, là, de dire non, que non, c'est non, pas... pas du tout, pas du tout. Il y a des jeunes agriculteurs qui s'installent, monsieur, mais vous savez, c'est des millions et des millions, c'est des emprunts, en fait, c'est pas possible. Et Ginette, vous êtes posé des questions, vous, avant d'accepter? Non, parce que, bon, c'est vrai que j'avais arrêté pour élever mes enfants et... Je voyais que ça marchait, c'est quelque chose qui... C'était viable, mais c'était pas viable pour deux. Donc, bon, mon mari, j'étais vendeuse. Donc, mon mari travaillait à l'extérieur. Bon, lui, arrêter son job, se retrouver tous les deux sur l'exploitation, c'était pas viable. Alors, donc, bon, on a pris la décision que c'était moi qui repartirais à l'école, et puis voilà, et puis on est reparti. Et puis maintenant, bon, je regrette rien parce que bon. Ça vous plaît? Ça me plaît, et puis c'est vous très avez jamais envie d'abandonner? Il y a des fois, j'en ai marre. Oui, je reconnais qu'il y a des soirs. Mais bon, on repart. Qu'est-ce qui donne envie de repartir alors que vous en avez marre? Tout. De toute façon, on a le travail là. Vous sortez, vous l'avez là, le boulot. Donc, il faut carrément continuer. Vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Hein. C'est trop tard. Vous êtes obligé de continuer. Arrêtez, carrément arrêter ou continuer. Complètement arrêté, oui. On ne peut pas faire les choses à moitié. Il n'y a pas de moitié. Il n'y a pas de milieu. Parce que vous êtes comme tout le monde là. Voilà. On est dans l'engrenage. On est dans l'engrenage. Arrêtez. Vous sortez le boulot, Léla. J'aime bien. On a tout compris. On ouvre la porte, Léla. On va aller terminer. Non, mais l'agriculture, il ne faut pas croire. C'est où on arrête. Où on avance. Mais apparemment, jusqu'à présent, ça vous plaît. Ça fait combien de temps que ça dure? Ben, j'ai repris officiellement en 91 et j'avais arrêté de travailler en 85. D'accord, donc ça fait... Donc, ça fait 14 ans que je que donne... Que vous êtes sur l'exploitation, Bon, il a fallu tout démarrer à la base parce que... On fait un peu de maraîchage. C'est pas ce qu'elle disait, la dame. Elle ah non, non, la dame moi, disait moi, qu'il n'y avait moi, pas trop démarré à la base, que non, non, plus qu'à par rapport à mon travail, je ne connaissais rien. Ah bah oui, ah non, le départ. Ah mais non, mais même une pioche, je ne sais même pas ce que c'était. J'ai tout appris au niveau du maraîchage. Là, on fait un peu de maraîchage, bon, c'est vrai que j'ai tout appris. J'ai été très aidée, ça c'est vrai. Je le crierai haut et fort, ça c'est important. Vrai. Elle a voulu apprendre. Elle a voulu apprendre, elle a bien écouté. Et puis être polie, quoi, c'est surtout. Parce que si on ne veut pas apprendre, moi, ça aurait été vite fait. Elle a voulu apprendre. Donc le maraîchage, c'est la culture des primeurs, mais vous les vendez aussi? Oui, vous les vendez également sur les marchés. Oui, tout à fait, bon, c'est fatigant, mais c'est un côté positif. C'est un côté très bon. Tout le monde discute. Okay, on va profiter pour regarder le reportage. Voilà. La vie de Ginette, de son mari, de Marie-Thérèse, vous vivez tous ensemble. Donc, au pied des Pyrénées, c'est un reportage de Jean-Baptiste Clavry, de Jean-René Chaperon et de Jérémy Henriet. Vous poursuivrez votre conversation après l'émission. Nous travaillons ensemble. Vous travaillez... Mais nous sommes indépendants, le ménage. D'accord. Voilà. On travaille ensemble. Parce qu'avec mon mari, c'était déjà indépendant. Donc, on continue comme ça. Je les aide. Indépendant, ça. Je les aide pour les enfants, tout ça. Il n'y a pas de question, mais c'est très important.
important pour les jeunes, des fois. Le reportage. C'est pour les jeunes. C'est quelle heure il y a ? Ah, l'avantage de la campagne, on n'a pas d'heure. Oui. Je sais pas quelle heure il est. Bon, allez, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Depuis 1991, Ginette dirige toute seule une petite ferme à Aubertin, près de Pau. Quand son mari part au travail en ville, elle se retrouve seule à la tête d'un troupeau de 25 vaches allaitantes. Ginette possède aussi 25 hectares d'une terre qui rapporte peu, environ 80 000 francs par an, mais qu'elle cultive avec passion et avec tous les moyens du bord. Toi, ça paraît, oui, très, très facile de monter dans un tracteur, mais il faut quand même... Il y a une grosse de course. C'est pas une voiture. Hein. C'est très dur. Ce métier, c'est justement très physique. Très. Alors, bon, c'est vrai que vu ma corpulence, il y a des fois, c'est pas évident. Mais je pense que la rage d'avoir envie de le faire me multiplie les forces, j'ai l'impression. Tracteur, je sais pas, je crois pas que l'agriculture me plairait autant. Quoi. Tracteur, tout ce qui est moteur. Tout ce qui est moteur, c'est une passion, ça. C'est chez nous, enfin, mes frères, on est assez... C'est presque une passion d'homme, ça. Ouais, je sais. Je sais très bien. De toute façon, on m'a toujours dit que j'étais un peu... Je visais un peu trop les métiers d'homme. Ça, c'était un petit cadeau que m'avait fait mon mari, parce que l'autre est un peu lourde pour moi. Alors, je m'en servais aussi, mais ça me fatiguait un peu trop. Alors, il a dit, bon, je vais t'en acheter une plus légère à partir de maintenant. Moi, je dis souvent, le soir, on n'a pas besoin d'être pour dormir. Hein. Après une bonne journée, on dort. Hein. Ça, je vous assure, un bon bain, c'est un meilleur somnifère que ça. Je ne sais pas si qu'on puisse le trouver. Ça, on va au jardin. Vous allez y rencontrer ma belle-mère. Voilà. Alors, elle a déjà embauché. C'est une bonne employée. Elle a embauché avant la patronne. Elle est en train de ramasser des choux et puis elle va faire ce qui est paquet. Et moi, je vais préparer ce qui est pot, tout ce qui est pot, c'est-à-dire tomates, plantes aromatiques. Sur ce potager de 6000 mètres carrés, Ginette cultive des légumes, une façon d'arrondir les fins de mois. Ah, non, mais c'est dans la main, quoi. Parce qu'une femme seule ici, vous voyez, si elle était seule, ouais. Je ne pense pas qu'elle pourrait des fois partir comme elle fait, tranquille. Il faut trémoler les gosses, c'est pas... Hein? Mais en fait, elle est... Elle est douée pour la mécanique. Ça ne la gêne pas, hein. Ça ne la gêne pas. Et puis, elle a eu la chance d'avoir la belle-mère, ça c'est... Je ne veux pas me lancer des machins, mais enfin, c'est... Deux femmes dans une exploitation, c'est... C'est bien, quoi. Pratique parce que ça nous arrive même de pouvoir les doubler alors qu'à pied on pourrait jamais les doubler donc de toute façon. Allez! Taille! C'est le taureau qui menait le troupeau et comme il vient d'être rajouté, c'est pour ça que bon, et lui il n'avait pas l'intention de rentrer à l'étable. J'ai l'impression qu'il voulait plutôt rentrer, aller faire un tour, changer de champ et ainsi de suite. C'est de la corrida ce que vous faites hein? Non, avec ça c'est pas la corrida. S'il fallait la faire à pied peut-être. C'est pour ça que je vous disais qu'il était très facile de passer devant et. On va le vermifugier, monsieur taureau. C'est comme ça qu'il a appris à m'aimer, ce cher monsieur. C'est que quand il est malade, c'est moi qui le pique. Et alors, il ne m'aime pas du tout depuis. Il me voit arriver à distance maintenant. Moi, je tiens la bête, d'habitude, elle fait, fait les soins, fait les piqûres. Ouais. C'est quoi le plus dur dans l'histoire? C'est de tenir, je ouais. pense. Ouais. De faire la piqûre aussi, c'est pas facile, parce que des fois, elle bouge et ça peut être dangereux, mais faire, c'est surtout de tenir. Attends, raccourcis un peu, raccourcis. Là. Non, non. Allez, bouge pas, non. Là. Oui, douce. Là. Là. C'est bon. Là. C'est fini. C'est fini. Ah.
Adeline et Mélanie, les deux filles de Ginette, commencent à donner un coup de main, mais le métier ne les attire pas vraiment. Mais je veux faire dans l'hôtellerie, serveuse, mais plutôt serveuse. J'aime pas trop. Même les horaires, quoi. C'est vachement tard, vachement le bonheur en matin. Et en effet, c'est à 5h du matin que Ginette se rend 3 fois par semaine à Pau pour vendre ses légumes sur les marchés. C'est l'avantage, je connais, c'est la liberté des horaires. Mais la liberté des horaires, il y a des fois, elle a quelques hauts et quelques bas. Ce qui fait qu'il arrive que les nuits soient très courtes et les journées très longues. C'est pas vilain. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Combien je vais gagner avec une matinée comme ça, ça peut varier. Si le temps reste au bout, j'espère gagner entre 500 et 1500 francs. 8 francs. Vous n'avez pas de monnaie? Non, je vais faire ça. Tout vendre, c'est le souhait qu'on a le matin quand on démarre, faut qu'on vende tout. Mais souvent, c'est pas le cas. Il faut remballer. Mais alors, s'il faut remballer, on remballe. On n'a pas de choix. Hein. Bien. Ah oui, il me tarde, oui, les vacances, parce que j'en ai pas eu en 98, donc il me tarde les vacances 99. Parce qu'une année, ça va, deux, ça va faire un peu long quand même. Ouais. On parle des vacances, Ginette. Donc faut vous mettre à la moto, Jocelyne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est rigolo en plus. Bah oui, moi je sais en faire, c'est trial. C'est très facile à faire. C'est très pratique. Oui, en plus. Ouais. Je savais pas qu'on c'est pas de la corrida, vous avez dit, c'est pas non plus du rodéo. C'est pas normal non plus, ça d'accord. Marie-Thérèse, c'est vous qui l'avez montré comment on monte sur une moto? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi je faisais du vélo, mais pas de la moto. Non, la moto, vous avez une moto, vous? Non, pas du tout, mais j'aimerais bien. C'est une bonne idée, non? Oui, c'est très bien. Parlons des vacances. Ça se présente comment, les vacances, Ginette? Alors, les vacances, bon, on envisage... Tous les ans, on part une semaine. Bon, on se cale une semaine. C'est vrai que 98 a été une année que je préfère oublier, pour diverses raisons. Et 99, il me tarde de partir. Je ne sais pas ni où, ni quand, ni comment, mais on partira une semaine. Vous prenez des vacances, Marie-Thérèse, vous en avez pris pendant votre vie? Il est un peu tard pour vous, là, vous êtes... Je n'en prenais jamais, mais depuis que je suis tombée veuve, j'ai été très fatiguée. Et puis, bon, j'avais les enfants, mais après qu'on a fait la saison de plan, là, je suis fatiguée. Je pars tous les ans 10 jours en montagne. Ouais. 10 jours en montagne. Mais avant ça, vous n'étiez pas partie en vacances avec votre mari? On ne partait pas. Pas de week-end, pas de vacances, du tout? Non. Vous avez le grand air. Racontez-nous votre voyage de noces, Emmanuel, par exemple. Comment ça s'est passé? Ça a été l'horreur. Bon. Merci pour lui. Non, mais c'était pas juste après le mariage, donc c'était quelques temps après. Non, je m'entends très bien avec mon mari, mais c'était le fait qu'on avait tout laissé là-bas. On était partis en voyage de noces payé, entre guillemets. Pourquoi par un concessionnaire de machines agricoles qui... Mon mari avait gagné un voyage et le concessionnaire, bien gentil pour nous faire plaisir, avait payé le voyage pour moi, pour le voyage de noces. Et on est allé une semaine en Tunisie. Donc les deux premiers jours, ça va parce qu'on est fatigué, donc on se repose. Mais alors après, le troisième jour, on commence à tourner en rond parce qu'il n'y a rien à faire et on n'a pas l'habitude. Et puis après, on se dit, et puis je suis là et j'ai rien à faire et il y a tant de boulot à la maison et quand je vais revenir, tout sera là. Puis c'était au mois de février, donc bon, normalement, c'est une période calme, mais manque de bol, il faisait beau en France également. Donc c'était le moment des traitements. Et mon mari ne faisait que téléphoner pour savoir le temps qu'il faisait. Et il disait, oh là là, les traitements, quand je vais revenir, les mauvaises herbes. Il pensait qu'à traiter ses champs. Donc, on n'avait pas les billets d'avion, c'était telle date, on ne pouvait pas avancer. Alors, c'est un peu ennuyé, quoi. Et puis, au bout de 3 jours, je pleurais, je voulais revenir, mais on ne pouvait pas. Donc, on n'est plus jamais retourné, quoi. Enfin, je vais en vacances maintenant que j'ai ma fille. J'essaie d'aller en vacances, je vais 10 à 15 jours à la mer début juillet, mais toute seule avec ma fille, pour dire qu'elle soit comme tout le monde et qu'elle aille un petit peu à la mer. Quoi. Si vous n'aviez pas votre fille, vous continueriez à travailler toute l'année? J'irais pas, non. Non. Pourquoi vous déconseillez, Ginette, à vos filles de faire le même métier que vous? Parce qu'on a vu qu'elles avaient des idées assez tranchées sur la suite, en tout cas pour la grande. Arrêtée, pour la grande, bon, la grande faudra lui dire que si elle veut être serveuse dans l'hôtellerie, elle travaillera le soir. Ah, mais aussi, on lui a dit, tu sais, tu regardes nos horaires, mais alors si tu pars dans l'hôtellerie, t'as pas fini, ma fille. Ouais. Mais bon, elle peut encore changer d'avis, elle n'a que 13 ans, donc elle peut changer. Mais c'est vrai que je leur déconseille. Je ne voudrais pas qu'un jour elle puisse me reprocher de les avoir poussées là-dedans, parce que c'est vrai que c'est la galère. C'est le contraire, vous déconseillez même. Oui. Ça, c'est la galère.
C'est la galère, vous, ouais. Il faut reconnaître ce qui est, il n'y a pas d'horaire. Bon, c'est vrai que nous, pour pouvoir profiter des filles, bon, on fait des sacrifices sur notre boulot, on va arrêter de bosser pour aller les amener quelque part, ou profiter de quelque chose avec elles, et puis le boulot, eh bien, on va l'avoir derrière. Donc, elles le voient bien, elles sont conscientes du truc. Hein, ça... Bon, les enfants décident eux-mêmes ce qu'ils feront plus tard, évidemment. Oui, mais si vous aviez le choix, vous préféreriez que vos enfants fassent le même métier que vous ou pas? Oui, s'ils choisissaient, pourquoi pas. Moi, je pense que je les pousserais, parce qu'après tout, moi, c'est un métier qui me plaît. Je pense que mes enfants sont quand même assez simples, donc je pense que oui, il y en aura peut-être un qui reprendrait éventuellement. Ouais. Quel âge il a pour l'instant? Je pense que ce sera le deuxième, celui qui va avoir 7 ans. Ah ben dis donc, il le sait déjà, lui? Oui, parce qu'il aime énormément les animaux, ouais. Et il aime ça, et il est toujours avec nous, il travaille beaucoup avec nous. Et, À 7 ans, eh ben. De toute façon, c'est une vocation qui vient très, très de bonheur, quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu faire ça depuis mon enfance, quoi. Et quand je l'entends qui dit « si mes enfants veulent faire ce métier-là, je ne vais peut-être pas les encourager », mais quand ils veulent le faire, ils le font. Moi, personnellement, mes parents me disaient « ce n'est pas un métier pour une femme ». J'ai tout fait, je me suis battue jusqu'à obtenir ce que je voulais, quoi. Donc, moi, je dis que les enfants, s'ils ont envie de le faire, ils le font. Ils le feront. Oui. C'est ce que vous pensez, Emmanuel, aussi? Moi, je serais déçue qu'elle ne reprenne pas l'exploitation. Ah, vous aimeriez qu'elle la reprenne? Oui. Ah oui, oui. Pourtant, elle n'a que 5 ans, hein, donc c'est encore petit, mais on la pousse à un maximum. Hein. Ah bon, carrément? Oui, déjà, oui. Oui, parce qu'en plus, c'est un bien de famille, si vous voulez. On est vraiment attaché à notre terre. C'est la terre des grands-parents. Enfin, l'exploitation de mon mari, c'est un petit peu différent parce que c'est une exploitation. Ses parents avaient été expropriés, donc ils ont repris notre exploitation. Mais bon, on a du mal sur ces champs-là. On a du mal à acheter la terre. On a du mal à ranger notre maison. Et bon, on le transmet de génération en génération. Et je serais vraiment déçue qu'elle ne le reprenne pas, quoi. Je donne la parole à un autre homme, à André, qu'on a perçu dans le reportage tout à l'heure. Vous êtes donc cantonnier sur la commune, André, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qui vous permet de faire rentrer un salaire fixe à la maison, c'est important. Qui est vraiment le patron de l'exploitation, puisque vous travaillez ailleurs alors? Là, c'est Ginette, la chef d'exploitation. Ah bon? C'est tout le monde. Oui, oui. Oui, attends. C'est-à-dire? C'est elle qui gère et qui fait pas mal de travail. Enfin, je l'aide en mettant de congé le week-end. Enfin, elle se débrouille... pas mal tout seul. Vous ne regrettez pas, André, de ne pas vous consacrer à plein temps à votre exploitation, de devoir aller travailler à l'extérieur? Je regrette, oui. Je regrette parce que j'aime bien le métier, quoi. Mais ce n'était pas possible. On a une exploitation trop petite qui n'est pas viable. Le salaire actuel de mon mari nous permet de s'offrir tout le petit superflu. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez superflu? Superflu, c'est... Parce que vous êtes nourri logé, enfin, si on peut dire. Hein. ça oui, oui, tout à fait. Ouais. Je suis nourri logé. Enfin, après, bon, les vacances, tout ça, bon, c'est vrai qu'on prévoit les vacances avec le salaire. Avec le salaire, on prévoit... Il y a certaines choses. Les vacances, c'est une semaine quand ça peut. Alors, ah ben oui, mais on en profite pendant une semaine. Ça, c'est vrai qu'on se prive de rien. On parlait d'une nouvelle moto, de nouveaux vêtements. La nouvelle moto, c'est une petite idée qui est en train de... De faire son chemin. Oui, voilà. Ouais. Les vêtements, oui, tout ça, c'est le salaire... De votre mari. Tout à fait, oui. Marie-Paul est à la tête d'un troupeau d'une centaine de brebis. Aujourd'hui, vous faites du fromage, de vaches aussi, dans la région nantaise. À l'inverse de Ginette qu'on a entendu, vos parents étaient, vous, agriculteurs. Est-ce que vos parents vous ont encouragé à devenir agricultrice? Est-ce qu'on vous a poussé, comme Emmanuel pousse sa fille? Je pense que c'était plutôt leur choix que je reste, sans doute. Oui. J'étais l'aînée de la famille, mais moi, ce n'était pas le mien. C'est moi qui ai décidé de ne pas faire ça au départ. Je n'avais pas envie d'être agricultrice comme ma mère. Alors comment vous êtes sortie de l'agriculture et comment vous êtes revenue en quelques phrases? Alors bon, c'est un peu compliqué, c'est toujours un parcours un peu spécial. Ouais. Hein. Moi, je suis d'abord partie faire des études. Pour moi, c'était le moyen de sortir de ce milieu. J'ai fait des études, j'ai été enseignante, très peu de temps, 3 ans. Et puis, j'ai vu que ce n'était pas mon truc. Et je me suis posé la question de quoi faire. J'étais enseignante en milieu rural et là j'ai retrouvé un peu mes racines et je me disais que c'était important de retrouver un travail dans ce milieu. Je pensais vaguement animation en milieu rural. Et le hasard a fait que j'ai été embauchée dans une organisation agricole, comme animatrice effectivement. Et là j'ai retrouvé d'autres valeurs au milieu paysan que je n'avais pas vues dans mon enfance en fait. Que vous n'avez pas vues chez vos parents quoi? Qui devaient exister, ouais, mais que je n'avais pas vues. Ouais. Et pensez là, à quoi par exemple? Quelle valeur? Par exemple, la solidarité. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Je ne vivrais pas dans ce milieu s'il n'y avait plus de solidarité. C'est vrai qu'elle a tendance à disparaître, mais je trouve que c'est important. Et vous haussez les sourcils quand on dit qu'elle a tendance à disparaître, Emmanuel? Oui, parce que nous, on est dans des régions où on fait plus en plus d'associations, en fait, entre père-fils, père-fille, des GAEC, oui, ou entre deux frères.
Et on a tellement ça de travail. Ça veut dire quoi, GAEC, précisément, Groupement agricole d'exploitation en commun. Ouais. On a tellement de travail qu'on n'arrive plus à aller aider les autres parce que les exploitations deviennent de plus en plus importantes. Nous, on est au nord de Paris. Et alors, on travaille sur la nôtre, mais on ne sait plus aller chez les autres. Alors, quand on est débordé, on fait appel à des entreprises, des ETA, entreprises de travaux agricoles, parce qu'on on a plus le temps d'aller chez les autres. Les voisins ne peuvent plus donner des coups de main comme ça se passait dans le passé. Ça devient de plus en plus difficile. Ouais. Alors que chez nous, ça existe encore. Voilà, chez nous aussi. Chez nous, ce sont des petites exploitations, et c'est vrai que les travaux, les gros travaux, les ensilages, les récoltes de maïs, ça, c'est de l'entraide. C'est-à-dire, on va aller un jour ou deux chez le voisin, et le voisin va venir chez nous. C'est vrai qu'on est encore. C'est pour ça qu'on. On ne peut pas comparer par rapport à ces grosses exploitations, mais on vit encore ça. On arrive à vivre ça. Et je trouve que ça, c'est une autre richesse encore. Parce qu'il faut reconnaître les voisins, ils ont toujours été là. Plus c'est grand, moins il y a de solidarité, j'ai l'impression, alors. Ah oui, mais c'est obligé, c'est obligé. Et est-ce qu'on irait jusqu'à dire que plus c'est grand, plus le voisin espère que vous allez vous planter pour... Ah oui, c'est carrément. Quand c'est petit aussi. Ah oui, quand c'est petit aussi, j'y pense aussi. Et oui, quand il y a des filles en plus, on se dit, ah, c'est très bien, parce que les filles ne vont pas reprendre. Donc nous, on va pouvoir reprendre l'exploitation. Ouais. Alors quand ils s'aperçoivent que la fille reprend, ils sont déçus quand même. Ils aiment vous dites la même chose, Muriel? Ah oui, ils sont déçus. Racontez-nous vos premiers mois, alors, quand vous avez repris l'exploitation. Donc, quand je me suis installée, seule, j'ai loué 20 hectares de terre, et donc je faisais un troupeau de brebis viande. J'avais 200 brebis. Je me suis installée dans un contexte un peu difficile, puisque je crois que les terres étaient convoitées par les voisins. Et effectivement... Est-ce que les terres ne sont pas toujours convoitées par les voisins? Si, toujours. Assez souvent, bon... là, il se trouve que c'était quand même il y a 20 ans. Et donc, on était quand même assez peu de filles à s'installer seules. Ouais. Et surtout dans l'endroit où j'étais. Et donc, on m'a regardée, effectivement. On m'a observée derrière les haies, voir comment je faisais les labours, par exemple. Est-ce que vous avez mis des bâtons dans les roues les premiers mois? Oh non, je ne peux pas dire qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, mais je suis tombée dans une période... Je me suis installée en mouton à une période où les cours se sont cassés la figure. Alors, c'est plutôt ça qui a été compliqué. C'est que je me suis retrouvée très vite en difficulté financière. Et il fallait assumer ça, il fallait vivre dans la misère, on pourrait dire, quelque part, parce que comme ce n'était pas moi qui commercialisais, enfin, je commercialisais mes agneaux avec une coopérative, je n'étais pas maître de l'argent si j'avais des dettes à la coopérative, ça c'était clair. Ouais. Et puis la banque à qui j'avais emprunté faisait pression pour que je rende mes prêts, donc j'étais coincée. Donc vous avez dû faire faillite une première fois? J'ai arrêté l'exploitation parce que je ne m'en sortais plus, et je suis venue travailler à Paris. Alors, comment vous avez repris? C'était compliqué parce que j'avais laissé des dettes à la banque. Ouais. Mais j'ai des amis qui m'ont proposé de m'associer avec eux. Et en GAEC aussi alors? En GAEC. Ouais. Et c'est ainsi que j'ai pu redevenir paysanne. Et vous l'êtes maintenant depuis combien de temps si on additionne les deux expériences? Alors, ça fait 20 ans. 20 ans. 20 ans avec une interruption donc de quelques années où je suis venue travailler dans cette ville-là. Les premiers obstacles à vaincre, Muriel, pour celles qui nous regardent et qui se disent pourquoi pas essayer ce boulot parce qu'elles ne se plaisent pas dans les grandes villes ou parce qu'elles ont du mal à trouver un boulot, parce qu'elles ont envie de changer de boulot ou changer d'air. Quelles sont les premières difficultés auxquelles on doit s'attendre? Même si on a un peu d'argent de côté, même si on peut acheter des terres, si on peut D'abord, une femme contracter qui arrive des prêts dans des bonnes conditions. Une jeune femme qui est en ville, il ne faut pas qu'elle ait peur de se salir les mains. Il faut commencer par là. Il ne faut pas avoir peur du travail. C'est-à-dire des travaux forcés, enfin pas des travaux forcés, mais les travaux sont quand même assez durs. Pas forcés dans le sens où ils sont obligatoires. Quand ils sont à faire, il faut les faire maintenant. Quoi. C'est ça. Bon, moi, ça s'est bien passé parce que j'ai pris la suite de mon père, mais... Pour exploiter, il faut du matériel, et le matériel coûte extrêmement cher. Donc, vous allez voir une banque et vous dites, bon, je vais emprunter, par exemple, 100 millions, ils vont commencer à vous dire... 100 millions, 1 million. 1 million. Ouais. Ils vont commencer on à vous dire... On passe à l'euro, là, donc c'est encore un ancien franc, on espère. Hein. Donc, ils vont commencer à dire, vous avez quoi comme garantie? Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut répondre pour vous, quoi? Donc, c'est la même chose pour les hommes. Oui, c'est ça. Oui, c'est la même chose pour les hommes, mais est-ce qu'il faut autant confiance à une femme? C'est plus difficile pour une femme. Quand vous arrivez, vous dites... Le banquier, il intéresse que vous réussissiez après pour que vous puissiez rendre l'argent. Oui, bien sûr. Oui, mais le banquier, au premier abord, il ne sait pas trop si vous allez y arriver, si ce n'est pas une fantaisie que vous avez pendant un ou deux ans. Ce n'est pas évident du tout. Il faut prouver, et pour prouver, il faut des années. Quand il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans que vous exploitez, que vous avez prouvé que vous êtes capable, alors là, après, les collègues vous acceptent. Mais au début, non, ils vous regardent un peu différemment. Voilà. Sylvie, c'est ce que vous ressentez, vous aussi? Oui, tout à fait. Encore aujourd'hui? Oh, oui, oui. Ça fait combien de temps que vous occupez de vos chèvres? 5 ans.
Alors vous êtes originaire du Nord et vous êtes installée à plus de 1000 km de là. Oui, 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 tout à fait. Je me suis donc installée à Amélie-les-Bains. Et puis la passion des animaux m'a amené à découvrir la chèvre angora. Et cette activité m'a d'autant plus... Qu'est-ce que tu fais, Francis, là? Parce que... T'es en train de faire le sac à main de la dame ou quoi? Je te vois en train de toucher. Arrête, écoute. On va y venir. On va y venir après. Oui, il m'a coupé le sifflet. Oui, c'est vrai ça, mais je le vois en train de toucher votre sac. Oh, oui, tout à fait. Ouais. Donc, je disais, l'activité des chèvres angora m'a plu parce qu'on n'avait pas tué les animaux, puisqu'on garde la laine. Vous prenez la laine, quoi. Voilà. Deux fois par an, vous les tondez. Voilà, on les tond deux fois par an. Donc, vous avez créé donc, un élevage de chèvres angora. De chèvres angora. Avec la laine, vous fabriquez quoi? Des pulls? Je voulais quand même... Pardon, vous voulez préciser quelque chose? Oui, oui, parce que c'est important pour la suite. Donc, j'ai passé aussi un brevet agricole professionnel, option élevage, un BPA. Et je voulais quand même dire que je m'étais installée surtout parce que j'avais une concession de terrains communaux à Amélie-les-Bains. Chose que j'ai perdue maintenant puisque la commune d'Amélie m'expulse. Je ne sais pas pourquoi. Ils vous aiment pas, Amélie-les-Bains? Écoutez, je pense qu'il y a les deux. Il y a des gens qui apprécient beaucoup ce que je fais. Ouais. Mais apparemment, il y en a d'autres qui me mettent des bâtons dans les roues. Ça, vous êtes une étrangère, parce que vous êtes née à plus de 1000 km, oui, vous avez grandi à plus de 1000 km. Oui, tout à fait, ça se ressent. Et en plus, vous êtes une femme? Vous avez l'impression? En plus, je suis une femme, oui, tout à fait. Certain que dans cet univers de machisme, il est difficile de garder, d'avoir une activité de femme seule et de pouvoir garder son indépendance. Parlons de votre activité quand même, qui est assez étrange, parce qu'il y a plein de gens, et j'en faisais partie, qui ne savaient même pas que les chèvres fabriquaient de la laine. Oui, alors voilà. Donc la petite chèvre Angora, si je peux dire, dont l'origine est de Turquie, nous fait une fibre somptueuse qui est le mohair. Donc l'angora devient mohair. Non. L'angora, disons, ça veut dire douceur, en gros. Parce qu'il y a le lapin angora, à ne pas confondre, oui, vrai, qui fait le poil angora. Et vous avez la chèvre angora qui fait le mohair, qui est une laine, qui est la laine la plus chaude, très douce, très légère. Il y a des chats angora aussi. Voilà, c'est angora. C'est doux, il y a des chats hein. Angora, voilà. À savoir qu'un kilo de mohair équivaut à 3 kilos de laine de mouton. Je peux faire toucher, mes amis? Je vais toucher, voilà. Vous pouvez faire toucher. Donc voilà, j'ai amené quelques petits articles. Oh, des petites chaussettes. Donc on fait les chaussettes. Mais alors, comment vous transformez vos chèvres en chaussettes, vous? Bon, alors j'explique. Ouais. Je les tonds deux fois par an, à l'automne et au printemps, toujours avant la mue naturelle. Donc on trie, il y a différentes classes, le kid mohair, qui est le mohair de chevreau, le mohair des jeunes et le mohair des adultes. Ensuite, tout ça est envoyé en filature. Ah d'accord, il vous transforme la laine alors? Voilà, qui nous transforme la laine. Il n'y a qu'une seule filature de mohair en France qui se trouve à Péronne dans la Somme. Ouais. Ensuite, notre laine nous revient, puisqu'on est groupé les éleveurs en France en une SICA. Et on fait travailler donc des artisans façonniers qui nous font bon, certains articles, comme les chaussettes, les gants, les couvertures, puisque bon, je n'ai pas de grand métier à tisser. Par contre, toute la partie tricot, ça, c'est moi qui le fais. Ah bon? Voilà. C'est vous qui avez fait ce joli pull? Voilà, tout à fait. Avec les boutons coquillages, ou presque? Voilà. Non pas avec les chèvres qui ont été peintes en bleu. Ah, c'est vrai? Si je puis dire. Non pas? Alors, c'est quoi ces histoires de chèvres schtroumpf? Alors, racontez-nous. Eh bien, écoutez, ça, c'est encore une idée de mon voisinage. Il y a 2 ans, disons, j'ai eu un accident. Donc, j'avais les béquilles et une attelle. Hein, heureusement, j'ai mes parents qui sont quand même venus m'aider. Je suis partie faire une foire. Et quand je suis rentrée, bien, j'ai trouvé des chèvres peintes en bleu. C'est ignoble. D'autant plus que j'étais handicapée, donc je ne pouvais pas m'occuper de mon exploitation, puisque je suis seule. Je trouve que c'est la pire des choses. Il y a 3 semaines, j'en ai trouvé une de morte. Pareil, quand je revenais de foire. Donc, c'est à croire que quand je suis partie, on me fait tous écraser derrière le dos. Il y a quelqu'un pour les garder en ce moment? J'ai quelqu'un, oui. Ouais. Oui. Non, mais sérieusement, avec la laine bleue, vous avez pu la récupérer et faire des pulls bleus? Non, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette laine bleue? Eh bien, j'ai dû tondre les bêtes et ça a été une perte. Ah oui, une perte sèche. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous nous avez dit que c'était un milieu macho, mais il existe aussi autour de vous, j'imagine, des femmes d'agriculteurs, et puis également des femmes qui sont chefs d'exploitation, comme un peu partout en France. Oui, est-ce que ces femmes sont plus solidaires avec vous que les hommes? Il y en a, mais bon, moi, je suis dans une ville de cure. Et donc, à Amélie-les-Bains, je suis la seule femme éleveur. Ouais. Et globalement, chez les femmes d'agriculteurs ou chez les femmes des régions voisines, n'importe quoi, est-ce qu'il y a plus de solidarité vis-à-vis de vous que de la part des hommes? Non, pas spécialement, non. J'ai un problème, j'ai fait beaucoup de courriers à droite et à gauche et je m'aperçois que je suis seule dans ce combat. Qu'est-ce qu'elles disent les autres femmes? Est-ce que les femmes sont plus douces ou plus dures avec les femmes que les hommes? Les femmes du métier? Enfin, moi, plus solidaires? Je me suis installée dans un endroit où je ne connaissais personne et j'ai trouvé plutôt de la solidarité chez mes voisines.
Et vous, Muriel, au départ, quand vous dites qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, vous pensez également aux femmes? Non. Non, c'était... enfin, au début, c'est les hommes, quoi, un peu. Mais après, non. Une fois qu'on est accepté, tout va très bien, après. Si, moi, j'ai une solide... Enfin, j'ai des amies qui sont également chefs d'exploitation en EARL, c'est-à-dire qu'elles sont avec leur mari. C'est un statut différent. Et on se remonte le moral, parfois, parce que, bon, c'est vrai que... On a besoin quelquefois de discuter entre nous. Quand on est dans un monde d'hommes, on ne voit pas toujours la même chose, la même façon de... La même chose que Ginette les hommes. Ginette et Jocelyne, vous dites la même chose? Nous, ça fait très peu de temps que nous sommes sur l'exploitation, donc c'est vrai qu'on ne connaît pas trop encore, mais c'est vrai que bon, les gens sont très accueillants là-bas, donc je pense qu'on n'aura pas de problème pour s'intégrer. Ouais. Nous, il y a beaucoup d'hommes chefs d'exploitation, donc avec leurs conjointes, ça se passe bien, mais c'est pas des, on n'a pas de relation... d'égal à égal, donc ça ne peut que bien se passer. Quoi. Ça vous surprend de voir les chèvres de Sylvie peintes en bleu par les voisins? Ah oui, alors là, moi... Si on peint vos vaches en rouge, alors c'est pas pareil. Oui, et ben alors là, ça pourrait mal finir, je ne sais pas. Je pense que je... Ça vous surprend qu'on puisse faire ça? Parce que c'est vraiment des coups bas. C'est nul, c'est... je ne sais pas, bon, les gens, dans quel but ils l'ont fait, si ça a pu leur rapporter quelque chose, parce que bon, à part ça, c'est vraiment nul. Mais alors, autant s'en prendre carrément à la personne et se battre d'égal à égal. Ne pas s'en prendre aux bêtes, parce qu'ils ne savent pas s'en prendre. Qu'est-ce qu'on vous reproche, vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous n'en avez aucune idée? Je ne sais pas, non, aucune idée. Moi, je travaille, je fais mon boulot. Je ne vois vraiment pas. Vous pensez abandonner éventuellement? Eh bien, écoutez, moi, j'ai quand même la commune, si elle m'enlève 20 hectares, hein, qui est à côté juste de mon exploitation, dont j'organisais quand même des visites. Il s'est avéré que cet été, j'ai vu pousser des carcasses de voitures, comme ça. Hein, donc, si moi, on m'enlève ça, oui, je serais peut-être obligée de partir. Vous avez l'air vraiment seule, là-bas. Hein. Oui. Ben oui, j'ai ma famille qui est dans le Nord. Et... Elle vient vous voir, voilà. Un peu, votre famille, quoi? L'été. Vous vous êtes fait des amis, un peu? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, parce que, bon, en fin de compte, c'est vrai qu'on a un boulot. Bon, on travaille, on est parti très tôt le matin. On rentre le soir tard, on est crevé. Bon, on n'a pas envie de sortir, et puis voilà. Vous avez envie de vous imposer? Vous avez envie de continuer au fond de vous? Ou est-ce que vous êtes prête à arrêter? Oui, non, parce que j'aime ce que je fais. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas recommencer. J'ai mis plusieurs années à investir. Quand même, j'ai fait des emprunts. J'ai investi. J'ai fait 5 km de clôture, des abris. J'ai fait la boutique. Bon, j'ai quand même une structure qui est quand même assez bien organisée. Ce n'est pas possible d'arrêter maintenant. Et vous dites que pourtant, éventuellement, vous arrêteriez? Oui, ben oui, si j'ai plus les terrains et si on me mène la vie impossible comme ça, vous savez, c'est... J'ai demandé à Annick Davera de nous rejoindre. Annick Davera, si vous voulez bien, sous les applaudissements du public. Présent. Annick, on va essayer de comprendre avec vous. On a essayé d'évoquer avec Sylvie quelles pouvaient être les sources de découragement qu'on pouvait connaître quand on fait ce métier difficile de femme de la terre, difficile mais passionnant. On va essayer de comprendre donc pourquoi vous avez abandonné, vous, le métier d'agricultrice après l'avoir exercé pendant longtemps, hein, pendant combien d'années? Pendant une vingtaine d'années. Ouais. Comment êtes-vous devenue agricultrice d'abord, pour comprendre? Alors bon, c'est un peu un concours de circonstances. Bon, c'est vrai qu'au départ, je voulais être professeure d'anglais. Et puis bon, mes parents avaient acheté cette propriété agricole, assez conséquente d'ailleurs, presque 100 hectares. Bon, mais malheureusement, papa est mort, donc j'avais 17 ans. Maman s'est retrouvée toute seule. Et puis, mon mari de l'époque travaillait sur la propriété. J'étais, moi, très, très, très soumise à maman. Donc, maman a décidé, ça peut paraître un peu incroyable, des choses comme ça, mais bon, c'était il y a 25 ans, a décidé que, bon, en l'occurrence, cette personne me ferait un très bon mari parce qu'il était travailleur, courageux, et puis bon, la facilité... Attendez, comment il a été choisi? Comment elle vous l'a présenté? Comment c'est passé? Eh bien, il travaillait déjà sur la propriété, donc bon, il est évident que, bon, c'était très facile pour elle de pouvoir garder la propriété tout en ayant un gendre sur place, et puis bon, moi, par la même occasion, sur la propriété. Elle vous l'a dit comment, votre mère? Eh bien, comme ça, que bon... Je ne vais pas citer son nom, mais bon, elle m'avait donc trouvé un mari qui était courageux, qui était travailleur, qui connaissait bien son métier, ça suffisait. Bon, pour aussi bizarre que ça puisse paraître, moi à l'époque, bon, j'étais assez certainement innocente, ben, je suis rentrée dans ce plan-là, parce qu'un peu, il y a cette histoire d'avoir fait le chantage du patrimoine, vous savez, bon, cette propriété qu'on a eu le mal de gagner, ton père et moi. Bon, ma sœur, elle n'avait pas du tout l'intention de garder. Donc moi, je me suis dit, si je ne me marie pas, la propriété, ce sera de ma faute si on ne l'a plus. Vous voyez, ce système-là. Vous l'avez épousé, vous avez quel âge alors? 20 ans. Ah oui. Voilà, donc bon, comme je suis d'un tempérament assez énergique, et puis c'est vrai que le côté sentimental ne me paraissait pas très important vu que je n'avais jamais connu personne avant, je suis
partie dans cette existence. Bon, les enfants sont arrivés, donc on a un petit peu une parenthèse, si vous voulez. On faisait beaucoup de céréales à l'époque. J'ai fait moi aussi du tracteur, j'ai ramassé des cailloux, j'ai désherbé, tout ce qu'ont dit ces dames-là, je l'ai fait pour, aussi surprenant que ça puisse paraître quand on me voit, je connais tout ça, tout ce qu'elles ont dit, j'y adhère hein, entièrement. Seulement ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est que, et je crois que cette émission, bon ça ne le fait pas tellement voir ça, c'est une petite minute de la vie, multiplié par les années, multiplié tout au long de l'année, c'est des choses, des détails, la fatigue, la galère, comme elles ont dit toutes, c'est des choses qui s'accumulent, et puis on a beau avoir de l'enthousiasme, de la volonté, elles en ont toutes de l'enthousiasme, moi aussi j'en ai eu. Seulement quand on commence à arriver à 45 ans, qu'on a vécu que ça, la galère, on dit qu'on a la liberté de quoi? Puisque vous ne pouvez pas prendre une semaine de vacances, mais non, mais où est-ce que c'est ça la liberté? Vous ouvrez la télé... La liberté d'organiser ses horaires, ce que disaient les femmes. Ah oui, mais d'organiser ses horaires, vous pouvez parler 3 heures avec le voisin l'après-midi, mais bon, le soir, vous êtes obligé de faire votre boulot. Il y a une dame qui a dit, le soir, on rentre manger à la maison et on retourne au boulot. Moi aussi, je l'ai fait, ça. C'est ça, de la liberté? Mais on croit rigoler. Vous ouvrez un magazine féminin. Bon, je ne veux pas rentrer dans la futilité, mais être une femme, après tout, c'est ça aussi. Bon, c'est avoir une apparence comme on a toutes aujourd'hui. Hein. Bon, un peu maquillée, un peu coiffée, c'est pas non plus être ringard. L'apparence, c'est quand même quelque chose d'important. Vous aussi, vous êtes un homme, mais vous êtes content d'être bien habillé, d'être bon. Ça fait partie de la vie. Je ne dis pas ça pour vous jeter des fleurs. Je dis vous parce que vous êtes en face de moi. Parce que je suis le seul. Je sais. J'en profite, j'ai que des femmes autour de moi. Ouais. Du tout. Non, mais je crois que c'est tout le monde un petit peu. Et dans cette vie agricole, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Madame s'habille 6 fois par jour pour aller chercher sa fille. Vous croyez que ça va durer, ça? Dans 10 ans, j'aimerais qu'on refasse l'émission pour voir si ça va durer. Ça va durer, ça, ou pas? J'ai beaucoup de volonté, hein, oui. Mais j'ai peur, justement, que ça ne dure pas. Je vais vous dire, moi, j'ai fait le marché aussi, hein, comme tout. Tout ce que vous avez fait, vous, moi, je l'ai fait aussi. Et bon, pour aller au marché, j'habitais moi aussi à 30 km de la propriété, donc il fallait que je me trimballe au marché tous les matins, aller à la propriété, attraper mes bestioles et partir au marché. Je me levais un quart d'heure avant parce que j'ai toujours voulu être soignée, si on peut dire soignée, entre guillemets, à la campagne. Bon, mais vous en avez marre à la fin, au bout de 20 ans, quand vous rentrez à la maison, que vous devez vous recoltiner, parce que c'est bien joli, les bêtes, effectivement, c'est joli, c'est agréable, les volailles et tout. Mais le temps qu'on passe à tirer le fumier, personne ne le voit. Le temps que vous passez à faire les piqûres, le vermifuge, il faut que vous en fassiez de plus en plus à la campagne et vous gagnez de moins en moins. Vous avez de plus en plus de boulot. Pourtant, vous étiez deux, votre mari, quand même, vous donne un coup de main. Oui, oui, oui. Alors, passez-moi, je rêve. Tout à fait. Tout à l'heure, quand j'ai entendu dire, ah oui, les maris, ils veulent pas qu'on... Attendez, les bonhommes, ils sont contents, oui, qu'on fasse leur boulot. Mais eux, ils viennent pas faire le vôtre, hein, du tout. Si vous voulez tout faire, ils vont vous laisser. Ils vont partir au salon de l'agriculture, ils vont partir à la foire agricole. Ah, Je voudrais pas passer pour quelqu'un qui est aigri, vous savez, avoir l'air de régler des comptes avec qui que ce soit. C'est pas vrai, c'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, pour moi, c'est un trait que je tire. Il y a combien de temps que vous avez tourné la page ? 4 ans, ça fait 4 ans. Bon, cette propriété, je l'ai encore, je la vends là maintenant. Hein, parce que je suis peut-être, si vous voulez, j'ai peut-être cette force de caractère, parce que cette propriété était à nous. Hein. Bon, maman mais vos parents, ils travaillaient dessus ou pas? Non, du tout. Ah, oui. Non, pas du tout. Non, ils avaient acheté ça parce qu'à l'époque, pour placer de l'argent, on achetait de la. Mais qu'est-ce qui a pris à votre maman de vouloir absolument que vous repreniez. Parce que, bon, ben... que vous fassiez un boulot qu'elle n'avait jamais fait, là. Ah, pas du tout, maman. Elle sort complètement, là. Mais... Non, du tout. Mais parce que c'était cette propriété. Bon, alors, elle ne savait pas trop quoi en faire. Donc, il y avait cette opportunité d'avoir cette personne qui, en l'occurrence, est devenue mon mari. Ouais, elle perd vos enfants. Hein. Voilà. Bon, moi, j'ai les enfants, mais je peux vous dire que j'ai tout fait pour que les enfants n'y restent pas sur cette propriété. Bon, pourtant, je me suis investie, j'ai fait un maximum de choses. Bon, ils n'y restent pas, c'est un fait. Mais je n'en ai aucun regret. Peut-être que je parle comme ça, parce que bon, je ne suis pas issue du milieu agricole. Non, mais 20 ans sur place, ça vous donne une légitimité pour effectivement dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, fait, et vous connaissez fait. Le métier. Vous reprochez également au monde agricole un manque d'ouverture. Ah, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, ça, c'est clair. Bon, le monde agricole, bon, les gens de la campagne ont la tendance de penser qu'il n'y a qu'eux qui travaillent, hein, qui travaillent énormément. Et c'est vrai, ils font 17h, 18h par jour, il n'y a personne qui fait ça. Et alors, de ce fait, les autres ne foutent rien. Bon, quand on entend à la télé les fonctionnaires, les scies, la grève, les pilotes, ils rigolent. Oh là là, évidemment, ceux-là, oui, avec tout ce qu'ils gagnent, ils foutent rien. Il y a cette espèce de, comment dire... d'aigreur, alors. Animosité, vous savez, envers les autres, parce qu'eux, ils se croient un petit peu supérieurs en ce sens. Mais enfin, bon, c'est pas interdit, malgré tout, de pouvoir s'intéresser aussi un peu au cinéma, à la variété, de parler de vacances. Et ça, bon, ça paraît Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous dit Annick, là, face à vous, Ginette? C'est vrai, parce
parce que nous, on a une petite anecdote. On a eu une réflexion une fois. On s'était dépêché de faire les fourrages. Et puis, le premier voisin nous a dit « Ah, mais moi, j'ai le temps de faner. Je ne pars pas en vacances. Voilà. » Ah, ben, voilà. Je dis « Mais ça, c'est ton problème. » Exactement. Oui, oui. Vous avez pris des vacances, Annick, pendant une vingtaine d'années? Non. Si, j'ai pris des vacances 10 jours, l'année où ma fille est née. On est allé 10 jours dans la famille, comme a dit une de ces personnes, parce qu'évidemment, on n'a pas trop les moyens d'y aller. Et où j'ai travaillé autant qu'à la maison. Résultat, des vacances comme ça, j'ai bien rigolé quand madame a parlé de son voyage de noces, ouais. Parce que moi aussi, le voyage de noces, je l'ai pris 2 mois après. Alors, j'avais eu la bonne idée de téléphoner à maman. Oh là là, il y a de l'herbe qui pousse dans le maïs, il y a ci, il y a là. Bref, vous êtes culpabilisé, total, tous les effets sont supprimés. Vous n'avez qu'une hâte de rentrer à la maison. Et votre mère, elle allait enlever l'herbe qui poussait dans le maïs? Du tout, non. Mais bon. C'est tout un contexte. C'est vrai qu'on a l'air d'être des rabat-joie, mais moi, je souhaiterais voir toutes ces jeunes femmes dans 10 ans. Et je pense que ce raisonnement que je tiens, bon, elles auront peut-être le mérite de continuer, mais peut-être parce qu'il y a aussi un côté dont on n'a pas parlé, c'est le côté financier. Et elles ont des emprunts, je pense, bon, et c'est normal. Qui est sous emprunt encore aujourd'hui? Qui est-ce qui a un emprunt? Vous? Tout petit. Tout moi, j'en ai plus. Vous en avez plus, voilà. Enfin, j'ai réussi à effacer mes dettes. D'accord. Sinon, tout le monde a un emprunt ici. Énormes, moi. Voilà. Moi, j'ai des énormes emprunts. Combien? Je suis obligée de tourner. Voilà. Bah, donc, je ne peux pas vous dire, non. Ça va vous faire peur, mais Je suis obligée de travailler pendant 9 ans sans rien gagner. Donc, mais je connais le principe, parce que mon mari a travaillé pendant 7 ans sans rien gagner. C'est pour ça que moi, je devais travailler à l'extérieur pour faire bouillir la marmite. Donc, maintenant que lui commence un petit peu à voir le jour, on peut prendre sur son exploitation. Mais moi, je sais que là, je suis 9 ans sans rien. Donc je suis obligée de tourner parce que j'ai l'échéance. Voilà. Et dans 9 ans, quand vous aurez remboursé vos emprunts, vous aurez votre matériel qui va commencer à battre de l'aile, il faudra racheter d'autres trucs et vous réemprunterez. Et voilà, et on est dans un système comme ça. D'autre part, il y a aussi... Mais quand elles vous disent qu'elles sont tout le temps en vacances, par exemple? Oh non, mais il y a de quoi rire. Des vacances? Mais c'est ça les vacances, quand vous allez en vacances, vous, parce que vous vous levez à 6h du matin, vous tirez le fumier aux bestioles, vous vous grouillez d'aller chercher votre fille à l'école. Non mais vous plaisantez, je pense. C'est ça. Je pense que finalement, bon, on est là, pas moi, je ne le suis pas là, je suis là pour faire l'avocat du diable, mais je le fais parce que j'ai vécu 20 ans à la campagne. On est là pour avoir l'air de faire croire que vivre à la campagne, c'est ce que voient les gens quand ils passent dans les campagnes. Les paysans, ils sont heureux, ils sont au soleil, ils se font bronzer, ils ont la belle vie, ils sont là sur la fourche en train de discuter avec les voisins. Mais non, mais hey, venez-y, parce qu'il y a des gîtes ruraux maintenant. Bon, et encore, dans les gîtes, les gens, ils s'arrangent pour faire le beau côté. Vous savez que les gens de la ville, ils se disent oh, qu'est-ce qu'ils ont de la chance. Non, mais vous voulez rire? Non. C'est pas de la chance d'être à la campagne, c'est une galère infernale. Quoi, Muriel, c'est Muriel, vous écoutez avec des grands yeux. Non, mais moi, j'ai choisi. Donc, c'est différent. Voilà. J'ai toujours voulu le faire. Qu'est-ce que vous dites en écoutant Annick? Parce que vous écoutiez avec beaucoup d'attention. Peut-être qu'elle n'avait pas la vocation de faire ça. Voilà. Ouais. Alors, c'est ce que je pense. Je pense que l'agriculture, c'est une vocation. C'est comme les curés. Oui, voilà. Ils font leur prêche. Non, mais tout à fait. Ah, les curés, c'est une vocation aussi, je veux dire. Le curé, il fait son sermon qui est 100 personnes dans l'église comme le jour de Pâques, il est vachement content. Mais s'il n'y a que 3 pingouins le dimanche, il le fait pareil. Bon, donc vous avez la vocation, vous êtes content, vous vous retrouvez à 6h du matin devant vos vaches, et bien voilà, vous êtes content parce que vous avez vos vaches. Et ça leur fend le cœur de donner leur terre, de donner leurs vaches, de donner leurs... Et comment vous avez supporté ça 20 ans alors? Mais parce que je suis, je pense, un petit peu dérangée. Je pense surtout avoir beaucoup de force de caractère, voilà. Et puis bon, après, il m'a pris la crise. Et pourquoi vous avez tenu 20 ans, alors? Parce que vous vous êtes rendu compte de ça bien plus tôt? Parce que j'avais beaucoup d'enthousiasme. Je crois que, bon, j'espérais toujours j'ai travaillé énormément, donc j'espérais peut-être un jour avoir une espèce de reconnaissance, peut-être gagner davantage, pouvoir avoir une vie un petit peu plus heureuse. Et ça n'a pas été le cas, donc... En plus, moi, on a plus rétrograde de l'agriculture. Je n'avais rien connu d'autre. Ça existe, la preuve. Ça existe, mais on ne peut quand même pas laisser dire que c'est que le milieu rural est tout comme ça. Ah, mais je ne dis pas qu'il est tout comme ça, madame. Il n'y a pas que madame qui parle. Je ne dis pas qu'il est tout comme ça. Marie-Paul, est-ce que ça se pratique encore, le mariage d'intérêt à la campagne? Moi, je ne le connais pas. Non. Vous en avez déjà vu, Marie-Thérèse? Non. Très peu? C'est fini, ça me dit. Autrefois, oui. Autrefois, oui. Voilà. Même il y a 25 ans. Il faut se remettre dans mon contexte. Moi, je me suis mariée en 72, 71. Samuel, qui dit toujours toute la vérité, est-ce que vous avez encore des mariages d'intérêt? Vous en voyez encore dans les campagnes? Je pense que c'est très rare. Déjà, des couples qui arrivent à travailler à deux sur l'exploitation, c'est très rare. Moins que l'un comme l'autre ait une exploitation et qu'ils se regroupent. Mais à l'heure actuelle, enfin, moi, je n'en connais pas. Donc, en plus, j'ai entendu depuis tout à l'heure, on est 600 000 avant l'émission. Je crois que là, demain, on est 400 000, vu le moral que vous avez tous. Tous? Non, vous trouvez? Moi, j'ai entendu des femmes qui parlent dans ma classe. Vous avez le moral, vous? Moi, je peux simplement dire qu'en tant que jeune agriculteur, bah, avec Marie, je pense que nous, on est un couple d'agriculteurs heureux.
Seulement, c'est pas replié sur nous, parce que chacun individuellement, vous avez tous parlé de soit pousser vos enfants dans l'agriculture, soit de vous marier uniquement avec des gens de votre métier. Donc il faut s'ouvrir à l'extérieur, ce qui fera avancer le monde agricole qui est si fermé. Qui... Ça vous a surpris que les femmes, dans leur immense majorité, pensent qu'il faille absolument se marier avec un homme métier. C'est déjà une aberration. Déjà, si elles sont chefs d'exploitation, elles ont donc besoin de personne. Donc autant qu'elles prennent quelqu'un qui soit d'un autre milieu, complémentaire, et puis qui peut-être aime leur milieu, le faire comprendre. Mais déjà d'avance, elles parlent comme une galère. Elles parlent de leur milieu comme quelque chose où elles n'ont jamais de temps, elles et tout. Moi, je sais pas, moi, en tant que garçon, si j'étais célibataire, franchement, je n'irais pas, je le dis tout net. Donc il faut arrêter un petit peu ça, il faut s'ouvrir à l'autre milieu, c'est ce qui fera avancer notre milieu, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Et bon, en tout cas dans le milieu céréalier, les 35 heures, il y a longtemps qu'on y est, seulement il faut l'avouer, il faut oser dire que, parce qu'on est dans un milieu où Vous cumulez deux boulots, vous, hein. Oui, bah, j'étais obligé de par le fait, bon je me suis libéré du temps par des méthodes de travail plus simplifiées, que je passe tout mon temps comme un abruti dans mon tracteur, je me libère du temps pour faire autre chose, et à partir de là, bah, on est obligé de par le côté financier. Ça peut salaire de votre métier, vous payez les remboursements d'intérêt que vous avez par ailleurs. Ma ferme, à l'heure actuelle, elle s'autosuffit. C'est Marie qui ramène son salaire extérieur et qui permet bah, la nourriture, le superflu aussi. Et puis ce que je fais en plus, bah, à l'heure actuelle, la ferme tourne sur elle-même. Vous en prenez des vacances, vous, Samuel ? Mais donc moi c'est un peu différent, moi je suis dans la période d'installation, ça fait 4 ans, là c'est vrai qu'on en a envie, bon, on s'est libéré du temps, maintenant le temps qu'on a on le consacre à autre chose, moi j'ai pas l'intention de me laisser bouffer par mon boulot, le jour où ça n'ira pas, patrimoine ou pas, je saurais m'arrêter à temps, et je pense qu'il faut être fou pour que ce soit le boulot qui vous mène, à partir de ce moment-là vous n'êtes plus qu'un esclave, enfin je sais pas, c'est nous qui sommes chefs d'exploitation, si on l'est comme on le dit si haut et fort, on gère tout. Hein, déjà que politiquement on est assez géré comme ça, mais il y a d'autres choses qu'on peut maîtriser, dont notre temps de travail. Il n'est pas question que ce soit... Bon, l'élevage, je connais un petit peu, je ne parlerai pas trop en donneur de leçons, c'est sûrement pas évident. Mais il faut savoir déléguer, et on sent que tous les gens qui ont parlé, ils ne parlent jamais de délégation. Je peux poser la question à Emmanuel qui disait « j'aurais pas pu épouser quelqu'un d'autre qu'un agriculteur ». Vraiment, vous avez dit ça, mais spontanément. Quoi. Oui, ouais. Bah oui, c'est bien beau de déléguer, mais faut-il en avoir les moyens? Parce que pour déléguer, il faut payer quelqu'un. Et vu les remboursements d'emprunt qu'on a, il faut savoir payer du personnel. Surtout 35 heures sur une exploitation, ce n'est pas beaucoup. Alors, ce n'est pas un, c'est peut-être deux ou trois qu'il me faudrait. Et bon, ben, moi, j'avoue franchement qu'avec mon mari, on est bien complémentaires. Parce que toute seule, je n'aurais pas su. J'ai mon mari et j'ai mon père. Et j'ai également maman. Et bon, ben, heureusement qu'ils sont tous là. Vous avez dit tout à l'heure, vous travaillez pendant 9 ans pour payer vos emprunts sans rien gagner. Oui, oui. Et vous avez parallèlement dit que vous souhaitez qu'une chose, c'est que votre fille reprenne. Mais vous êtes inconsciente. Je ne sais pas. On ne va pas pousser ses enfants à faire quelque chose qui ne gagneront pas leur vie. Il résonne, Samuel. Samuel est très cartésien. Oui, mais pour moi, c'est un homme libre. Pour moi, ce n'est pas la galère de travailler pendant 9 ans sans rien gagner. Oui, mais il faut demander à vos enfants si pour eux, ça va être leur idéal. Ouais. Je veux dire, quelque part... Non, je ne peux pas lui imposer, mais pourquoi elle n'aurait pas les mêmes envies que moi, si ça lui plaît? De toute façon, moi, j'ai connu ça petite, donc ça ne me pèse pas. Mes parents ont toujours vécu dans ce système, donc c'est un système dans lequel je me sens bien, parce que, bon, ben... Mais vous êtes heureuse, vous? Oui, ça me convient très bien. Malgré toutes vos plaintes, quelque part, on a la chance de faire un métier. On ne le ferait pas si on ne gagnait pas d'argent. Mais honnêtement, je le dis, je gagne de l'argent, et heureusement. Oui, heureusement. Bon, c'est vrai que de moins en moins, ça, c'est un fait. Disons qu'on a, par rapport à l'investissement... De moins en moins, vous venez de démarrer, alors je ne comprends pas ça. Non, mais en 4 ans, c'est vrai que bah, tout le monde le sait, il y a les histoires de Pâques, vous voyez bien les prix, ils ont été diminués quasiment par deux. Donc de toute manière, on est dépendant des primes, c'est les primes qui nous font notre revenu à 100%, il faut être clair là-dessus. Donc à partir de là, tant qu'on ne changera pas ça, on n'incitera pas les jeunes à s'installer, les discours de ce soir non plus. Ouais. Mais de toute manière, c'est vrai que tant qu'on ne vivra pas de notre travail et non pas de choses politiques, on ne s'en sortira pas. Samuel, ce n'est pas fini le découragement général qu'on est en train de subir ce soir. Il y a Isabelle qui voulait témoigner également dans notre émission et qui a choisi de garder l'anonymat. Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comme Annick qu'on vient d'entendre à l'instant, qui a donc arrêté de travailler sur cette terre il y a 4 ans après y avoir travaillé pendant 20 ans, c'est ça Annick, hein. Vous avez quitté, Isabelle, votre mari et la ferme qu'il dirigeait. C'était quel genre d'exploitation? Vous savez de quoi on parle? C'était une exploitation principalement axée sur les céréales, le blé, maïs. Combien d'hectares à peu près c'était? Au tout début, il n'y avait que 60 hectares. Il s'est agrandi et on est arrivé à 140. Ah oui. Vous êtes c'est une grande, déjà une grande exploitation. Hein. Vous êtes infirmière de formation, Isabelle. Quel était votre rôle aux côtés de votre mari, aux côtés de, de sa famille, disons? Eh bien, écoutez, tout au début... Tout paraissait joli, agréable. Bon, je suis une citadine, donc pour moi, c'était un peu la découverte du milieu.
Puis insidieusement, au fil du temps, je me suis retrouvée à faire des petites tâches, puis des tâches de plus en plus dures, plus pénibles, qu'il a fallu donc effectivement marier avec mon autre travail. Alors à la fin, ça faisait des journées qui ressemblaient à quoi alors? Oh, c'était... Bah, levé quelle heure? Bah, si je travaillais du matin, ça me faisait me lever à 5 heures. Je partais pour 6 heures à l'hôpital. Je rentrais à 14 heures. Je me changeais et puis j'attaquais ma journée d'aide. Vous êtes laissé faire? Oui. C'était difficile de faire autrement? Bah écoutez, au départ, c'est vrai, enfin, j'aimais mon époux, donc je voulais l'aider au maximum, rentrer avec lui, essayer de comprendre un peu, lui donner des coups de main, mais bon... Je me suis vite retrouvée épuisée physiquement. Et ça, il le comprenait, aussi bien lui que sa famille, que vous, ça pouvait vous crever à ce point-là? Non, je ne pense pas. Il ne voyait pas ça. Combien d'années ça a duré? Pas loin de 8 ans. 8 ans, d'accord. Quel regard vous portez maintenant sur le monde agricole? J'ai un peu la haine, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire? Bah, oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Vous avez l'impression d'avoir été embauché pour compléter ce qui manquait et apporter le maximum d'aide et d'offres possibles? Voilà, oui, d'avoir été l'objet finalement. L'objet, quoi. Voilà, quelqu'un, une main-d'œuvre, quoi. Ça arrive, ça, beaucoup autour de vous, Annick? Non, pas à ce point-là. Je ne suis pas trop d'accord avec ce discours, ouais. Parce que je trouve que on accepte toujours de son plein gré. Bon, bien sûr, à 20 ans, effectivement, on a peut-être moins de maîtrise de soi. On va tolérer parce qu'on va se dire ça va peut-être s'arranger ou comme ça. Mais quand même, toute sa vie, admettre et puis après venir dire j'ai été l'objet, je crois que ça n'existe pas. Pas toute sa vie, pendant 8 ans. Ouais. Oui, mais bon. Vous avez tenu 20 ans, vous, Annick. Oui, hein. Voilà, c'est ça. Bon, c'est vrai. Mais quand même, je n'irai pas dire un discours comme ça, je n'irai pas dire non plus que j'ai la haine, parce que de toute façon, c'est même pas de la haine, c'est peut-être encore pire, c'est de l'indifférence totale. Mais je ne crois pas avoir été un objet. On est rentré dans un système qui ne convenait plus du tout, c'est tout. Voilà. Moi, j'ai une question à vous poser. Prie, que vont faire vos enfants? Parce que moi, je travaille dans le sens aussi où je me dis peut-être que ma fille ne trouvera pas de travail plus tard. Oui. Et elle sera peut-être contente de revenir sur l'exploitation parce que c'est quand même un travail. Bon, je dis, on ne gagne rien. Le jeune homme derrière a dit qu'il gagnait très bien sa vie. Non, il dit qu'il gagnait sa vie et qu'il n'avait pas honte de le dire. Bon, moi, je ne peux pas prendre beaucoup d'argent pour ma vie personnelle, mais je rembourse des emprunts, on capitalise. Quoi. Bon, il faut être réaliste. On gagne de l'argent, mais on capitalise. Ouais. Donc, ce capital, on le retransmet à nos enfants. C'est un outil de travail. Et bon, après, ils peuvent être contents, s'ils aiment ce métier, de revenir travailler là. En fait, c'est comme si on leur achetait... Votre papa a capitalisé pour vous et vous capitalisez pour votre fille, voilà, qui capitalisera pour son fils. Peut-être, si elle a envie. Et qui va en profiter? Si ça leur plaît. Si ça leur plaît, ils en profitent tous les jours. Si ça leur plaît, voilà, mais il ne faudrait pas tomber dans le système non plus de dire, parce qu'on a un patrimoine, on leur fait le chantage de dire, tu te rends compte, je me suis crevée à garder ça. Il ne faut pas non plus rentrer là-dedans. Moi, mes enfants, vous me demandez ce que font mes enfants. Bon, c'est sûr que moi, je n'ai pas le même âge que vous, donc mes enfants, maintenant, ils ont chacun leur situation. Donc, ils ont 26 et 27 ans. Mais ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font comme métier? Ils travaillent à la campagne? Non, du tout, du tout. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de votre changement, de votre décision de quitter la ferme et de votre changement de statut? Eh bien, bon, les enfants, comme tous les enfants, j'ai attendu qu'ils aient une vingtaine d'années parce qu'il semble toujours qu'ils vont le vivre mieux. Bon, je pense que c'est toujours difficile de savoir ce que pensent les enfants. Ils ont évidemment un patrimoine, c'est sûr que ça représente quelque chose d'important d'avoir... Ils hériteront de la terre ou de ce qu'ils voudront bien faire? Ils en hériteront ou ils n'en hériteront pas parce que j'ai décidé de la vendre. Donc, voilà. Oui, parce et le monsieur qui est dessus, alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il n'y est plus. Ah oui. Voilà. Parce que dans la foulée, moi, je suis quelqu'un d'extrémiste aussi, comme on dit quelquefois ces dames-là, donc j'ai décidé de... Vous avez perdu votre maman entre-temps? Non, elle est toujours là. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Elle n'en pense rien du tout, parce qu'elle a 91 ans et je ne lui en parle pas. Et... Non, mais de toute façon, elle a déconnecté un petit peu de la ferme. Mais de toute façon, elle n'a jamais travaillé à la ferme, vraiment, quoi. Oui, mais enfin, elle y a toujours été, elle a toujours vécu avec nous. Vous lui en voulez? Non. Non, parce que je m'occupe d'elle comme si de rien n'était. Comme si c'était votre mère. Pardon. Oui, non, c'est pas ça. J'ai pas de mérite à le faire. Non, j'ai pas de mérite de dire ça. Mais bon, c'est comme ça. Après tout, peut-être la faute vient de moi. Hein. J'avais, il y a 25 ans aussi, qu'à dire non, je veux pas partir dans ce milieu de la campagne. Et puis c'est tout. Hein. Ouais, enfin, faut pas dire c'est la faute à quelqu'un quand on fait des âneries. Hein. C'est sa faute à soi-même. Jocelyne, est-ce que vous avez entendu ce soir? Ça vous décourage ou ça vous encourage plutôt? Si vous tordez un peu les doigts comme ça, ça vous dit quoi? Non, moi je pense que ça va m'encourager parce que de toute façon, après tout, c'est
c'est moi qui l'ai choisi, ce métier. Moi, je ne venais pas d'un milieu agricole. Je faisais de soignante, donc j'ai décidé d'arrêter pour entreprendre une formation agricole et pour pouvoir m'installer avec mon mari. Donc, c'est moi qui l'ai choisi. Vous sentez la vocation en vous ? Oui, parce que je ne suis pas une femme de la ville, je ne suis pas une femme de bureau. J'ai vécu plusieurs métiers, donc j'ai choisi et c'est ça, et ça sera ça jusqu'à ma mort, je pense. On va revenir à ces histoires de vocation avec deux sœurs qui vont nous montrer que dans la même famille, on n'a pas forcément les mêmes désirs profonds et viscéraux. Christine Dumont et Bernadette Pichoux, où est-ce que vous êtes toutes les deux? Alors, qui est Christine? Qui est Bernadette est la plus âgée, Christine est la plus jeune. Bernadette a 30 ans et Christine a 24 ans. Vous êtes... Je suis agricultrice. Vous avez 24 ans, vous appelez, ouais, Christine. Ouais. Et vous, Bernadette, vous ne l'êtes absolument pas, c'est ça? Absolument pas, non. Vous êtes complices toutes les deux quand même? Vous vous voyez souvent? Comment ça se passe? Pas très souvent, mais ouais. On garde contact. On garde quand même contact, oui. Et on, ouais, s'entend relativement bien. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire relativement? Ça veut dire quoi? On s'entend bien. C'est moi qui entendais mal, alors. Oui. Vous dites de votre sœur Christine que l'agriculture et elle, ça fait deux, c'est-à-dire? L'agriculture et elle, votre sœur qui est à votre gauche, ça fait deux. Oui, c'est vrai, parce que bon, elle n'a jamais vraiment été attirée par ça. Ça ne lui a jamais plu, donc c'est vrai qu'elle n'est pas du tout vraiment pas attirée du tout, quoi. Vous avez toutes les deux en fait l'opportunité, la possibilité de pouvoir reprendre le Ah oui, elle avait voulu le faire avant moi, elle aurait très bien pu le faire, mais bon, comme ça ne l'attirait pas... C'est ça? J'ai pris. Ah, tout à fait ça. Hein. Ouais. Je n'ai pas eu la vocation ou la passion pour ce métier-là. Je dirais qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices, pour peu de récompenses. Hein. Je pense qu'on en a entendu tout au long de la soirée. Mais du bonheur pour certaines, on l'a entendu aussi. Du bonheur, mais je crois qu'il faut être passionné pour percevoir ce bonheur. Ouais. Le percevoir, encore, moi j'arrive à le percevoir. Mais pour le partager, ça, effectivement, ça, il faut vraiment avoir envie. Hein. Donc ce n'était pas du tout ma vocation, je ne me suis pas posé la question. Vous avez essayé de dissuader votre sœur? Non. Non, non. Vous l'avez encouragée? Je ne l'ai pas encouragée non plus. Quand elle a commencé ses études dans l'agriculture, je la voyais plutôt s'orienter vers le ministère de l'agriculture, mais reprendre une ferme, une femme en plus. C'est vrai que j'avais un petit peu ces a priori. Mais bon, c'est sa passion. Si elle peut s'épanouir avec ce travail, tant mieux pour elle. Vous êtes la grande sœur quand même. Est-ce que vous l'avez mise en garde alors, en fonction de comment vous ressentiez les choses, de ce que vous voyiez des choses? Je lui ai donné mon avis, mais elle était complètement consciente de ce qu'il attendait. Le fait qu'il mais pas elle a beaucoup de courage, je dirais. Donc, ouais. Vous faites quoi comme métier, vous, Bernadette? Moi, je suis responsable qualité. Ah, responsable qualité. Le fait qu'il n'y ait pas de garçon dans la famille, ça a compté, Christine? Non. Non, non, pas du tout. Parce qu'il fallait bien qu'une des deux reprenne, ou c'était pas obligatoire de l'avis de vos parents? Non, ça, qu'il n'y ait pas de garçon, ça n'a pas compté. De toute façon, c'était un choix déjà depuis toute petite. Donc, À quel âge vous avez fait ce choix? Vous pensez? Depuis que j'étais haute comme ça. Oui. Parce que je suivais toujours mes parents, contrairement à ma sœur. C'est vrai, j'étais toujours derrière mes parents, en train de les aider sur les tracteurs et si. Et donc, j'ai mûri avec cette idée, donc... Qu'est-ce qui fait la différence entre vous deux, à votre avis? Qu'est-ce qui fait? On dit qu'on est quand même déterminé par le milieu d'où on vient, on a tous son caractère, mais on est quand même plus ou moins influencé par le milieu d'où on vient, par l'éducation qu'on a reçue. J'ai peut-être été un peu influencé aussi, oui, c'est sûr. Plus que votre sœur, vous pensez? Je pense, oui. Parce que vos parents n'ont pas eu la même attitude? Non, je ne pense pas. Comme je n'étais vraiment pas intéressée par ce genre de travail, moi, je m'épanouissais, je dirais, plutôt à l'extérieur. Plus je pouvais partir de chez moi, mieux je me sentais. En fait, c'est le côté isolé, je dirais, de l'agriculture qui me faisait un peu peur. Donc, j'avais besoin de voir des gens, Ok, d'un autre milieu, quoi. C'est un autre milieu. Je me sentais trop isolée à la campagne, en fait. Ah, vous, Christine, vous êtes heureuse. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier d'agricultrice? Faites-nous partager un peu cette passion qui vous anime. La liberté, justement, comme les dames le disaient, être libre de faire ce qu'on veut. Et puis, je tiens une exploitation de bovins, donc j'adore les animaux. Je suis très, très animaux, donc m'occuper des bêtes à longueur de journée, moi, ça me va tout à fait. Vous comprenez que Jocelyne, qui n'est pas de la partie, a un peu peur des vaches? Oui, je comprends. Vous avez peur des vaches, vous? Non, pas du tout. Vous avez eu peur des vaches quand vous étiez plus petite? Non, jamais. J'ai jamais eu peur des bêtes parce que j'ai toujours été dedans. Donc, pourquoi vous comprenez qu'elle ait peur, alors? Parce que quand on n'est pas vraiment issu du milieu, on a toujours une appréhension
vers un animal qu'on ne connaît pas. C'est ce que vous disiez à propos de vos enfants. Vous disiez, je pense que c'était la deuxième ou le deuxième? Le deuxième. Le deuxième reprendra sans doute l'exploitation. Il a 7 ans. Et madame pense déjà que c'est le deuxième qui... Non, mais c'est vrai, c'est, ça veut dire que vous sentez quelque chose. C'est quelqu'un qui est tout petit déjà. Ouais. C'est quelque chose qui est comparable à ce que vous avez ressenti, Christine? Ah oui, 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 ouais. Oui. Puis on sent bien quand une personne est vraiment accrochée à un but, quoi. Bon, merci beaucoup aux deux sœurs pour comprendre que c'est pas évident et comment les choses se font dans une famille quand une exploitation est donc à reprendre et que bah, la première n'est pas attirée par le truc. On va partir maintenant chez vous, dans votre, sur votre terre, Jocelyne. Vous démarrez donc avec des vaches, on va comprendre que c'est pas trop votre truc. Vous allez vous en expliquer dans ce reportage. Donc dans le Gers, un reportage de Ludovic Fortin et de Aline Le Tourneau. Allons-y. Alors, et bien voilà, ça a été un peu long, mais c'est signé. Hein, voilà, on c'est a mis signé. 2 heures. 2 heures. Ouais. De bonnes heures. Et alors, content? Oui, même soulagé parce qu'on arrive au bout, ça va maintenant. Maintenant, ça y est, on est bien agriculteur. Et vous? Et bien moi, je suis plus agriculteur. Jocelyne et son mari ont repris en location pour une durée de 25 ans l'exploitation de M. Delplanque. Grâce à cette formule, ils peuvent enfin réaliser leur rêve et gérer ainsi les 60 hectares de la propriété de leur parrain. Ils utilisent le matériel agricole, la majorité des bâtiments et récupèrent une grande partie du cheptel bovin contre un pourcentage de leurs futurs bénéfices. L'exploitation donc, s'étend sur le plateau. Là. Vous avez juste à côté des vignes, là, ça s'éteint. Là où il y a les vaches, là-haut, ça s'arrête là-bas, à la limite. Ça continue jusqu'aux terres labourées, puis ça redescend, ça revient ici, et ça s'arrête là, parce qu'après, vous avez une autre exploitation de l'autre côté, et ensuite, de l'autre côté, en bas. C'est vrai qu'elles sont, elles sont plus hautes que moi, et ça m'impressionne un peu, oui. C'est pour ça que bon, je les approche, mais je me méfie un peu parce que c'est vrai qu'elles ne nous connaissent pas en plus. Elles sont habituées à M. Delplanque et c'est vrai qu'elles ne se laissent pas trop approcher. Et c'est pour ça que vous avez aussi choisi de faire des ovins? J'ai choisi de faire des ovins parce que c'est vrai que c'est beaucoup moins impressionnant que les vaches. Après une formation de 9 mois, Jocelyne a maintenant le statut de chef d'exploitation. Elle peut ainsi percevoir des aides et effectuer les investissements de son choix, comme ici l'achat de son premier troupeau de moutons. Il marche bien. En principe, une bête qui marche mal ou qui est malade, elle serait derrière, là. Oui, elle serait derrière. Elle ne bougerait pas. Quoi. Il y a un joli dos, là. Oui, ça vaut, ça à peu près. Plein prix. Elles sont mises dans les 6 mois. C'est des agnelles qu'il faut qu'elles vaillent au moins dans les 650 francs. Je pense qu'on ne va pas trop négocier parce que c'est raisonnable. Elles sont belles et elles sont saines surtout, c'est le plus important. Et ça, on vous apprend ça, à négocier Disons que pour négocier, c'est à nous à l'apprendre. C'est à nous à l'apprendre, suivant nos moyens, suivant si on est plus ou moins négociateur. Ça s'apprend. Pas à l'école, mais ça s'apprend. Il faut combien de sacs comme ça pour un champ comme celui-là, par exemple? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Ce qui m'a donné envie de devenir agricultrice, c'est un peu le retour à la terre, avoir une vie un peu plus saine, un peu plus détendue, avoir une vie de famille. Alors, comment elle se débrouille? Très bien, très ouais. Bien, très bonne manœuvre. Pas de problème majeur, je pense pas. Elle ne casse pas la machine? Bon, non. Bon apprentissage. Monsieur Delplanque m'a appris la pratique. Les petits trucs de l'éleveur.
Comme quoi, par exemple? Mais comme médailler un veau, ça, c'est pas à l'école qu'on nous apprend ça. Ça, c'est dessous, alors. Oui. Un peu plus loin, un peu plus loin. Là. Vas-y. Là. C'est bon? Oui, oui. Alors, elle a bien étiqueté. Impeccable. C'est donc votre première étiquette? Oui, c'est ma première étiquette. Ça fait peur. Voilà, applaudissements et encouragements pour Jocelyne, qui démarre dans ce métier. Parce qu'on va créer des vocations avec ça, Samuel, mais il y a encore des, vous voyez, il y a encore des jeunes femmes qui y vont avec le sourire, même si au début vous dites que les vaches ne vous reconnaissent pas encore ou ouais. Vous connaissent pas encore bien. On se demande si c'est pas aussi un peu le contraire. Ou... C'est le début, en tout cas, vous allez vous retrouver avec des ovins, avec des animaux qui sont à votre taille et vous avez l'air parfaitement heureuse. Donc nous, on vous souhaite évidemment bonne chance pour la suite de votre vie professionnelle qui démarre. Simplement une question, comment vous répartissez les tâches de boulot avec votre mari? Disons que mon mari fera beaucoup les tâches de la terre. Bon, je l'aiderai bien sûr, mais c'est lui qui fera ces tâches-là. Et moi, ce sera plutôt la gestion de l'entreprise et ce sera plutôt le troupeau au vin. D'accord. Très bien. Je voudrais donner la parole à une femme qui a toujours rêvé de se marier avec un agriculteur et qui n'a pas pu jusqu'à présent. C'est Josette Moutard. Où est-ce que vous êtes, Josette? Josette. Bonjour, Josette. Bienvenue parmi nous. La vie que se prépare Jocelyne, là, actuellement, vous venez de voir ce reportage, est-ce que ça vous fait rêver, vous? Ça m'a toujours fait rêver. Ouais. Bon, mais seul, c'est pas évident de s'attaquer à quelque chose comme ça. Vous avez vu que c'était possible avec Muriel, hein? Oui, mais elle avait déjà des terres. Ouais. Tandis que moi, quand j'ai voulu faire moi, des études d'agriculture jeune, on m'a dit, bon, vos parents n'ont pas de ferme, qu'est-ce que vous allez vous embarquer? Enfin, bref. Bon. Vous avez essayé d'épouser un agriculteur? Il a fallu que j'en trouve un. Ouais. Je n'en ai pas trouvé. Ah, il y a les fêtes agricoles. Eh bien, oui, voilà. Il y en a qui en cherchent. Vous avez fait les fêtes agricoles et tout ça un peu? Mais non. Non? Bah, vous avez essayé, vous n'avez pas fait les fêtes. Vous avez été au salon, vous avez passé une petite annonce dans le Chasseur français? Non. Vous n'avez pas fait tout ça? Non, non. 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 Vous êtes donné une chance de pouvoir réussir ce métier d'agricultrice? J'ai donc appris la couture parce que ma mère m'a dit, bon, ben, il faut apprendre un métier. J'ai appris la couture. Après, j'ai voulu me faire par correspondance. Puis toujours pareil, j'ai pas de terre, j'ai pas voulu non plus se lancer dans des frais. Et après avoir entendu tout ce que vous avez entendu ce soir, vous pensez que vous auriez été heureux sur une terre? Ah, heureuse? Oui. Ah oui. Mais j'ai toujours vécu dans le milieu avec des bêtes. J'allais tous les ans en vacances chez mon oncle qui avait des bêtes. Bon, mais c'était toute la vie de la ferme, quoi, pendant les 2 mois. Vous allez peut-être dire, c'est les vacances, c'est bien. J'ai pas dit ça. Mais non, c'est vrai, j'aurais aimé. Vous avez quel contact avec la terre aujourd'hui? Oh, un jardin de 100 mètres carrés. Avec, j'ai quand même des oies et puis des poules, quoi. Mais enfin, moi, je serais... Si je pouvais écrire un livre sur tous les animaux que j'ai eus... Ce serait un gros chacun livre. Chacun a son histoire, quoi. Parce qu'en fait, je regarde les animaux plus que je ne les élève pour vendre ou tuer ou comme ça. Quand il faut les tuer, c'est les voisins qui les tuent. Josette, vous n'êtes pas une toute jeune fille, vous n'êtes pas non plus une vieille dame. Non, plus. Non. Non, donc vous pouvez encore penser à l'avenir. Est-ce que vous rêvez à un avenir? Ben, j'ai toujours ce projet de ferme. Maintenant, ça serait plutôt une ferme pédagogique, vous savez, avec très peu des animaux de chaque espèce. Ça serait plutôt ça, plutôt que d'avoir un grand troupeau. Pour faire découvrir aux gens de passage, aux enfants. Voilà, voilà. Mais ce ne sera pas la vie d'agricultrice que vous aviez rêvé? Non, non, ça ne serait plus les grands troupeaux, ça ne serait plus ça, ça serait peut-être 2-3 chèvres. Mais j'ai eu des chèvres aussi. Ouais. C'est toujours des histoires d'animaux, quoi. J'ai eu des chèvres, j'ai eu... Chez moi, ça a été la ménagerie. Est-ce que l'émission vous a découragé ou pas? C'est pour répondre à Samuel qui disait tout à l'heure, on va casser des vocations ce soir. Oui, mais Samuel, lui, c'est céréalier, c'est pas pareil. Non, c'est vrai, se lever tous les matins avec les animaux et tout ça, céréalier, c'est bon, ben, y a toutes les semailles et tout ça, les intempéries aussi, d'accord, c'est pas... Je le critique pas, mais il faut pas comparer... Moi, à mon avis, il faut pas comparer ces deux métiers. L'élevage et... Mais les animaux, il faut être là, le jour, la nuit, les céréales, bon, mais vous pouvez partir le dimanche, tandis que là, vous ne partez pas le dimanche.
On avait un élevage hein, avant que je m'installe en céréales. Oui, bon, voilà. Après, c'est un choix. Bon, il faut mais savoir voilà, aussi. Ça. On n'a pas parlé d'économie, mais c'est quand non, même ça pas, qui. C'est pas le sujet ce soir. Mais ça compte, c'est ça. Oui, voilà, dans c'est le ça. Choix, la demoiselle parlait, elle veut faire des ovins. Parce la que, dame, même, on pouvait dire. La dame. Parce qu'elle est moins impressionnée par les vaches. Moi, je ne peux pas le concevoir. C'est économique, quoi. Il faut choisir. Faut pas, faut ouais, pour pas vous, rêver. C'est un métier. Le bon. Côté bucolique, c'est fini, quoi. Enfin bon, on essaye de le conserver chacun sur notre exploitation. Si on fait ce métier, c'est parce qu'on l'aime. Mais oui. Là, avec ce qu'on vit actuellement, il ne faut pas rêver, quoi. Je veux dire, on ne peut pas conseiller à un jeune de lui dire « tu seras agriculteur toute ta vie ». C'est déjà oui, la non, première chose. Ça. Il faut peut-être qu'il pense qu'il fera sûrement autre chose à côté. Parce que vu ce qui se passe en ce moment, soit il aura une énorme exploitation à plusieurs... Mais de toute façon, on va vers ça. Ou alors, il faut nous aider, vous consommateurs, et qu'on essaye de faire changer et inverser la vapeur. Mais sinon, parti comme c'est là, on va manger tous la même chose, qui ne sera pas d'une qualité exceptionnelle, et dans des exploitations qui ne seront plus le côté joli que vous avez vu dans les reportages. Ce sera des industries avec des gens qui ne sont pas plus agriculteurs que certains ou qui sont dans la salle. Et donc, voilà. Non, mais c'est pour dire, quoi. C'est des gens qui sont investisseurs, quoi. C'est tout. Si on ne peut plus faire de production ovine, ça veut dire aussi qu'il y a des régions de France où on ne cultivera plus rien. Il y a quand même des zones de montagne où on ne peut pas faire beaucoup autre chose que de l'élevage. Ouais. Et de l'élevage ovin. Chez vous, c'est la montagne, pratiquement. C'est la montagne, c'est les Pyrénées. Si on n'y mettait pas des vaches à viande, c'est la catastrophe. Hein. De toute façon, il n'y a qu'à voir, d'ici quelques années, des propriétés, des terres pour nettoyer, on va en trouver. Ça, on va en trouver, parce que les gens qui s'installent, les jeunes qui s'installent, c'est pas ça qui les intéresse. Eux, c'est pouvoir prendre le tracteur, démarrer et rouler. Chez nous, ce sera pas ça. Donc, toutes les pentes, il va bien falloir que quelqu'un les nettoie. Sans ça, il y aura plus de campagne. Ce sera la brousse. Hein. On va aller vers une période où ça va dégénérer sérieusement. En conclusion, on peut dire qu'il faut la vocation, hein, vaut mieux. Et Pierre Bond va nous rejoindre pour la conclusion. Venez, Pierre, sous les applaudissements du public. Et Pierre, ça. Vous pouvez prendre vos notes, hein, si vous voulez. Vous pouvez prendre vos notes, hein, si vous voulez. Oui, ça va à peu près. Ça va à peu près, alors, vous avez pensé de l'émission. Est-ce que vous pensez, comme Samuel, qu'on va décourager toutes les femmes qui ressentaient un petit pincement au cœur et qui avaient envie de faire ce métier, a priori? Moi, j'ai senti, au contraire, beaucoup d'amour et de bonheur, surtout dans les témoignages de ces jeunes agricultrices qui sont là aujourd'hui. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'évolution quand même énorme de la façon de concevoir l'agriculture par rapport à ce que j'ai connu, moi, il y a 30 ou 30 ans. Les fermes, disons, il y a 30 ou 30 ans, c'était essentiellement des fermes où il y avait une répartition des tâches entre l'homme et la femme, si vous voulez. C'était de la polyculture. Alors, il y avait deux traditions. Les tâches de la femme, qui était de s'occuper de la basse-cour, des lapins, des chèvres, éventuellement. Et puis, il y avait le travail de l'homme, qui était... Alors, le tracteur, la grosse culture. Et puis aujourd'hui, ce qui me frappe, moi, c'est que les femmes veulent faire le travail de l'homme. C'est-à-dire qu'elles ont expédié la basse-cour, plus de basse-cour, plus de lapin, de moins en moins de chèvres. Et la femme, aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est la partie noble, enfin, prétendument noble du travail de l'agriculteur, c'est-à-dire, eh bien, le tracteur et les gros travaux qui, autrefois, étaient l'apanage de l'homme. Ça, c'est une évolution qui me paraît assez... originale et nouvelle. Mais en même temps, la femme, bon, elle se prive, à mon avis, d'un rôle important qu'elle avait autrefois dans la ferme traditionnelle, qui était, elle avait peut-être une soumission apparente à l'homme, mais en même temps, c'était souvent elle la patronne. D'ailleurs, souvent, le mari disait, il faut demander à la patronne quand on lui disait quelque chose. Hein. Ouais. En fait, ça voulait bien dire que la femme, même si apparemment elle n'avait pas le premier rôle dans le couple d'agriculteurs, elle avait en fait beaucoup, beaucoup d'autorité, parce qu'elle avait en fait aussi beaucoup de caractère. Et on a vu ici ce soir que toutes les femmes qui sont là, effectivement, ont beaucoup de caractère. Je crois que c'est une des conditions nécessaires aussi pour tenir, la vocation, pour tenir dans ce métier d'agriculteur, que ce soit comme chef d'exploitation ou même comme épouse avec toutes les charges quand même que ça représente. Voilà, donc pas découragé, vous Non, moi je trouve que c'est un métier... On part demain, vous. Non, moi ce qui me réconforte, c'est de voir que aujourd'hui, après une tendance à la spécialisation des cultures et à l'extension des surfaces qui amène justement un peu une déshumanisation du travail de la ferme,
de plus en plus avec des entreprises, comme disait le jeune cultivateur tout à l'heure. Il y a aujourd'hui un retour vers une agriculture paysanne, comme l'on dit, à dimension humaine, avec des fermes plus petites, où la femme et l'homme ont chacun leur travail, parce qu'il y a l'élevage, et puis après, il faut transformer pour faire des poulets fermiers, pour faire des pâtés qu'on va vendre, ils en sortent, pour faire du tourisme aussi, pour accueillir ou des élèves en classe verte, ou des touristes qui viennent en vacances. Ils s'en sortent, là, ils s'en sortent. Et ils s'en sortent, là. Et ils s'en sortent de mieux en mieux. Et là, je trouve que les couples sont plus heureux, ils retrouvent plus facilement dans ces petites structures une certaine égalité, une certaine parité entre les sexes. D'accord. Merci. La semaine prochaine, on parlera de maltraitance dans cette émission. Vous verrez pourquoi, vous verrez aussi comment, donc avec des gens qui ont été maltraités, des femmes, des hommes qui viendront nous apporter leur témoignage. Ce sera donc mercredi prochain, juste après le film, à partir de 22h40 dans Ça se discute. Merci d'avoir été avec nous, il est un peu tard, je souhaite une très bonne nuit. À suivre le dernier journal et le cercle de Philippe Lefebvre. Merci et mercredi prochain, bonsoir. Merci à Pierre Bonte et merci à tous nos invités.